Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Fang pour un nouvel épisode de Taverne Master. On va se faire une petite taverne qu'on va appeler la cuitasse. C'est la cuitasse. La cuitasse. Voilà. On peut se saouler avec de l'eau. Alors, vu qu'effectivement il y a des données qui sont extrêmement importantes, je vais mettre une porte. Voilà. C'est parti, je sais pas si j'ai des objectifs sur les portes, mais je vais mettre une porte. Changer le nom de la taverne, c'est fait. Posséder 4 tables. Alors, on va tout de suite embaucher les gens, parce que j'ai embauché personne du coup. Les gens qui savent monter les escaliers, on est d'accord qu'on en a tous globalement rien à carrer. C'est pas mal, on va prendre le gars. Nettoyage, boisson, ok. Aliment. Aliment, là. Hôtel, là. Sortir, je sais pas c'est quoi. Mais si tu veux. Attire 3,5 clients de plus par jour, j'ai même pas regardé. Bien joué, ma fille. Barman. Alors. 4 boissons, 5 boissons. Diminue lentement de 20%. Plus lentement. Ah, l'humeur qui baisse, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien le concept. Hein. J'aime bien le concept. Je vais embaucher Talbot. Très bien. Parfait. J'ai ma fine équipe. On a un peu de budget. On a 1000 balles de budget. Alors, j'ai le droit de choisir une recherche aussi. Let's go. On va commencer par chercher la cuisine. Dans mes objectifs, j'ai placé de la table. Donc, on va pas gêner. Table. Table. Faut que je place combien de tables? Pas là. Avoir 4 tables. Ouais, ça va être l'usine, ouais. Ouais, ouais, c'est parti pour ressembler à une usine encore. Est-ce qu'on a besoin d'autant de place? Je pense pas, hein. Genre... ça, c'est suffisant. Ah, j'ai mis une table de riche! Je suis un dingue, moi. Ok. Bon. C'est quoi ça? Sylvie, faites glisser le curseur sur le meuble afin de le peindre. Choisissez la couleur ci-dessous. Incroyable! On peut peindre des meubles. Ça ne m'intéresse pas du tout. Aussi simple que ça. Hop! J'ai donc possédé 4 tables. Possédé 8 bancs. Attention, on a dit des bancs. Et on en a dit 8. Donc genre si je veux mettre ça, c'est hors de... ça c'est une grande table. Si je voulais mettre des méga bancs, c'est hors de question. Alors on va mettre du coup des bancs de qualité ici. Parce qu'on est parti pour l'avoir fait. Hein. Puis voilà. Hop. Aïe aïe aïe, ça marche sur un truc. Ouais, j'ai des gars dans le noir, ça arrive. Attends, on va t'éclairer ton client, t'inquiète. T'inquiète, biquette. Terminer n'importe quelle recherche, poser des changer le nom de la taverne, on a tout reçu. Il ne reste plus qu'à terminer la recherche. Et pour bien faire, on va mettre une loupiote. Voilà. Voilà, comme ça ils sont tous très contents. J'aurais même pu bouger cette loupiote à la limite. En termes d'éclairage, on est comment? Ah, ils sont un peu dans le noir. On va la bouger, on va la mettre ici. Elle. Voilà, c'est ça. On va la mettre plutôt de ce côté-là. Ça, côté de taverne un peu obscur. Ok. Bam! On commence. Ça part direct. Allez, nous on a de l'eau, franchement on se la pète, et on pourra débloquer de la bière à 200 billets. Oui, je sais pas ce que tu veux. Acheter un extincteur, servir 20 clients, remplir 50 litres de n'importe quelle boisson, terminer n'importe quelle recherche. On peut acheter un extincteur. Ça on peut aller ici, ça coûte pas une blindasse l'extincteur, on peut faire ça. Extincteur pour deux en plus, hein. Pas beau ça? Extincteur pour deux. Je peux même garder une petite place pour mettre une petite plante dans le coin. Alors là, 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 on se moque pas des gens. Boum! On a bientôt les 100 balles. C'est bientôt les 100 balles. Bon. On prend pas une caillasse de fou, hein. On a déjà 315 de prestige, hein. Eh, 300 cases de prestige avec un mur en moins.
Ça se fout pas de la gueule des gens quand même. C'est pas mal. Servir 20 clients, ça va être long, hein. Eh ben. Si on vend pas de bière, de toute façon, on aura l'air couillon. Je sais pas si je peux bouger les meubles. Ah, attendez, je tombe des dingueries. Hein. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On attendra que ça ferme pour bouger les choses. Tout ça, quoi. Quand même, hein. On est censé faire 22 clients par jour, on les aura pas fait. Dommage. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux monter de niveau? Ouais, bah non. Tant que t'es pas en dépression, tu montes pas de niveau. Non, non, elle coûte trop cher. Calmez-vous. Hein. On s'est fait avoir sur la taverne précédente, on se fera pas avoir ici. Hein. Vraiment une taverne de qualité. Je tiens à le préciser, c'est important. On va faire quand même quelque chose hein, d'un peu stylé. Hein. Mais pour l'instant, c'est volontairement très pourri. Voilà. Ils m'ont quand même coûté 40 balles déjà. Là. 40 balles. Servir 20 clients, c'est rentré dans les poches. J'aurais dû le valider hier. On a pris 100 balles, parfait. Hop, on débloque. On peut débloquer la limonade ? Ah, la bière. Rempli pour 44, hein. Allez, on peut servir de la bière. Ce qui va augmenter automatiquement notre nombre de clients. On peut se ramener des alcoolos. 50 litres de n'importe quelle boisson. Let's go. On a pris. Ravitaillons tout de suite l'eau. Hein. Vite. L'eau, notre meilleur deal, hein, finalement. C'est 8000 fois plus rentable que tout et n'importe quoi, puisque ça coûte zéro. Oui, je sais, multiplier zéro par ce que tu veux égale toujours zéro. Au cas où. Très bien. Les 50 litres, on s'est fait. Posséder 5 tables. Ah, terminer une recherche et posséder 5 tables. Alors, hop. Oui, oui, la cuisine, c'est bon, on connaît. Je vais juste rajouter une tablasse de base. Genre un truc comme ça là. Ah non, même pas. Ouais, ça m'angoisse là. Ah, c'est en train de m'angoisser là. C'est en train de m'angoisser. Est-ce qu'on peut faire genre ça? 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 Ils ont rien vu. Ils pensaient qu'ils voyaient des choses. Ils n'ont rien vu. On va voir si ça les téléporte ou pas. On va voir ce qui se passe. On pousse le vis jusqu'au bout. Vous êtes collé au comptoir. Ouais, c'est peut-être un peu... Peut-être un peu le risque. Ouais, on va vous remettre là où vous étiez. C'est très, très bien passé pour vous. Bravo, félicitations. Non, pas une jolie table. Oh, c'est... Ça, c'est considéré comme le top... Attends. Ça... Vous voyez cette table là, comme moi là. C'est moins bien que ça. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous ou pas? Bon. Vas-y, de la table nulle. On s'en fout là. Moi, il me faut juste une table quoi. Pour prendre mon bif. Donne-moi, voilà. Un seul en bois. Quoi? T'es pas content là? Allez, cassez-vous là, bande de connards. Ils sont pas contents. Ouais, ouais, super. Hein. M'en fous, vous montez pas de niveau. De la limonade. Non, pas de la limonade. Arrête tout. Des clients par jour. Plus de clients.
Il va falloir faire des travaux d'agrandissement. Ça urge. Est-ce que finalement, il n'est pas temps de faire une turbo-cuisine derrière mon comptoir? Je pense que j'ai dit les termes. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je préférerais pas plutôt un truc comme ça? Les clients ils viennent directement dehors là ici. Eh, s'il vous plaît mon plateau, blabla. Zbli, tu vois genre là. Je mets une porte quand même. Pas de fenêtre. Fou des fenêtres. Je pourrais rajouter un mur là, mais on va pas faire ça évidemment. On a gagné un super sol. Voilà, ça coûte rien. Tout coûte une fortune, mais le sol est gratos. D'ailleurs, j'étais bête, non, en fait, ça fait le sol de la cuisine, et puis ici, on va rester... Ici, on va rester sur un thème bois, hein, très probablement, comme la dernière fois. Voilà. Parfait. Voilà. Avec ce petit côté aéré, aérien, très très beau. Non, j'embauche personne pour l'instant. toutes les quêtes ont été reçues, nous attendons demain pour faire quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. L'argent, évidemment. Nous sommes là que pour le pognon et rien d'autre. Alors regardez, c'est pas parfait, hein. Genre vraiment paf, à l'angle du chemin, t'arrives, tu fais « Ah !» Je me prends un petit casse-dalle à emporter, là, vite fait, tac, parfait. Ça rentre. Franchement, il y a 3 pelés attendus, il y a 28 clodos qui viennent dans une journée. Vraiment, cassez-vous, quoi. Voilà, parfait. Alors il y a des tas de choses qu'on pourrait faire, mais... On va pas faire grand chose. Bon, ça. Alors. Ah, il veut pas. Alors, attendez. C'est le temps de replacer les choses. Le bar peut être dans le noir. Hein. On s'en fout. Hein. Le bar peut être dans l'obscurité. Voilà. On jongle un peu sur les lumières comme ça. Voilà, comme ça, eux, ils pourront être éclairés. Place, on va ajouter tout de suite de quoi gagner un peu de pognon. Voilà. Et on commence le jour suivant. Alors, quels sont les... Acheter une caisse de cuisine, acheter un comptoir de cuisine, acheter une étagère à assiettes pour la cuisine. Cliquez sur n'importe quelle lumière pour connaître le risque d'incendie. Parfait. Alors, paf. Oh, il y a un risque d'incendie. Ensuite, paf. Ceci est une cuisine. Plaçons tout de suite dans la cuisine. Ah, j'ai pas l'argent. Merde, on est pauvre. Tac. Hop, je prends. Faites des thunes. Je vais... Wow. On va se remettre un petit peu de bière. Ah, recherche terminée. On peut se faire de la limonade. Quoique, attendez. En train de faire la recherche de la limonade. Ah oui, j'ai pas le choix, il faut que je fasse la limonade. Vas-y, vas-y. Fais la limonade. On n'embauche rien ni personne pour l'instant. On nous a rien demandé. Bière, on est large, hein. Pas besoin de remplir plus. On peut remplir l'eau, c'est important. Rester hydraté. Bah juste, faut juste qu'on rende du pognon. Hein. Ah mais d'ailleurs pour rentrer du pognon, on pourrait faire simple. Ça là. Donne-moi du fric. Parfait. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Cuisine. Donc, d'un côté le chef, d'un côté celle qui réclame. Mon chef, je vais le mettre là. Voilà. Il faut qu'on attende les 100 balles. Oui, je sais qu'il manque des choses. Je suis au courant. Hop, je prends. Allez, dépêchez-vous, hein. Faut faire 100 balles. Hein. Allez, on se dépêche. Vous voyez, j'ai supprimé une table, on fait toujours le même nombre de clients, c'est parfait. Allez, faut enchaîner, hein. Faut embrayer. Faut embrayer, ma fille. On va plus vite. Les gens, ils ont soif. Allez. T'enlèveras plus tard les assiettes sales, c'est pas gênant.
Regarde, vu, on a des godets infinis, let's go, hein, régale-toi. Allez, on se dépêche. Allez, il me faut des thunes, là. Voilà, parfait, allez. Cuisine. La boîte. Il me faut la boîte. On va la placer comme ça, la boîte, parce que ça a l'air obscur. Hop là, parfait, on arrive ici. Alors, attendez. Bam, les 150 billets. Ah, tout est calculé, hein. Tout est calculé. Et là, il nous faut... là-dedans, le cuisine, le meuble à assiette. Bam! Alors, c'est une dinguerie ou pas? On a tout calé. On a pris tous nos objectifs. On a été très très bon. Hop là, les musiciens. Très très performant. Oui. J'allais dire embaucher un cuisinier, mais très probablement que ça tombera en objectif le lendemain. On travaille sur les objectifs. On tryhard. 55 clients par jour. Hein. Et ils vont s'enchaîner. Hein. Ils auront pas le temps. Elle pourrait des. Tu démissionnes pas comme ça, tu te calmes. Et si toi. Voilà. Niveau 2. Alors. Prends du pourliche. Parfait. Vous êtes heureux. Commençons cette nouvelle journée. Parfait. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Engager un chef cuisinier. Let's go, ça part tout de suite. Tac. Embaucher. Le chef. Alors, le chef. Le chef, les soupes. C'est clairement pas urgent puisque c'est une compétence pour les plats principaux. Waouh. Attends, il y en a, il a l'air fâché là, Abraham. Il a l'air fâché de ouf. Il a l'air fâché de ouf. Les plats principaux, même si on a l'air de commencer hein, pour chaque plat principal servi. Si on a l'air de servir surtout du... Ah oui, c'est le fameux bonus de or en fait. Du coup, ça lui augmente de 2 cases possibles son niveau. Ah, peut-être pas, peut-être pas. 3,5 clients supplémentaires par jour. Je prends. Tu es embauché, gros nul. T'as intérêt à te servir. Hein. Acheter le barrel. Pas tout de suite. D'abord, nous avons gagné un tableau. Mais nous n'accrocherons pas le tableau. Tant que nous n'avons pas l'obligation de faire des remplir 100 litres de n'importe quelle boisson, ok. Ne servir que des desserts pendant toute la journée, incroyable. Que des desserts toute la journée. Bah, un peu fou ça. Et acheter le baril de limonade, remplir n'importe quel litron. Et ben on va remplir de l'eau, tiens. Ça me fait plaisir, c'est gratuit. Let's go, on déroule. Allez, allez. À fond les ballons, hein. On y va, hein. Faut pousser, hein. Hop, 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 le monsieur, il a soif, il veut boire de l'eau. Let's go, hein. Une autre flotte, hein. Une autre flotte, s'il vous plaît. Ah, de la flotte et de la pintasse. Let's go. On va passer une petite commande en cuisine, visiblement. Hop, hop, hop. Aïe, 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 on allait être en galère de serveuse, hein. Ah, ça va être la galère. Il me faut une autre serveuse. Embaucher, une serveuse... une serveuse un peu compétente, s'il vous plaît. Tac. Ça part. Allez. Il y a deux serveuses. On envoie, on envoie. Très bien. Du coup, j'en ai déjà oublié mes objectifs. Limonade et 100 litres. Ok. Techniquement, on peut se le faire. Hein. On s'achète de la limonade. On se remplit les litrons de limonade. Hein. Voilà. Et bah tiens, on y est. Hop là. Le baril de limonade. On se met 10 litres tout de suite. Allez, 40. Allez. Allez, faut que ça remplisse. Ça remplit, parfait. Le baril de limonade, c'est fait. Il me reste 3 litres à acheter. Allez, on va racheter. On va se racheter des litrons. Tiens, 2 bières. Un peu plaisir. Allez. Ça prend. On est à 48. Ne servir que des desserts toute la journée. Alors ça, j'en sais rien. Ça, c'est un objectif qui va se boucler qu'à la fin, mais... dessert, plats principaux, on a que du pain, ouais, sinon on met rien.
Ok, parfait. On met rien. Pas de soupe. Que des desserts. Alors. Alors. Recherche. À emporter. On n'a pas d'objectif sur le fait de mettre des icônes, donc on met rien. On économise du fric. 66. Faut qu'on fasse des tartes aux pommes. Let's go. Allez, faut manger, videz vos shops, cassez-vous là. Parfait. Boum, excellent. Alors, on va sauvegarder parce que c'est un coup à se prendre un voleur dans la tronche. Comment ça s'appelle? La cuitasse, bien sûr. La cuitasse. On a adoré la cuitasse, bien sûr. Pourquoi pas d'espace? Ah, il veut pas prendre les espaces. Très bien. Reprendre. Jour suivant. Ah, vous coûtez 51$, bande de salopes. Ne servir que des desserts. Ah, on aurait dû le valider. Acheter le podium pour les icos, préparer du corbeil de 10 fruits 10 fois. Oula, de fruits 10 fois. Oula, blablabla. Corbeille de fruits, si je dis pas de bêtises, dans mon menu, c'est celui-là. Je vais enlever celui-là. On va garder ça. Manger des fruits. Manger des pommes, faites pas chier. Voilà. Manger des pommes, faut que j'en serve. Faut que je charve de la pomme. Allez, hein, vous êtes breton, normand, ce que vous voulez. Prenez, mangez. Ensuite, le podium des icos. Je crois qu'il coûte 150 billets. On peut pas se le sortir tout de suite, je crois. Taxe spéciale. Non, 120. 120, on l'a. Souké. Les Artimus. Voilà. Ok. Paf. On y est presque. Servir 59 clients. Préparer des corbeilles de fruits. Let's go. Faut être vigilant sur les corbeilles de fruits. Hein. Allez, ça part. Une autre corbeille de fruits, s'il vous plaît. Alors, ici. Combien ça coûte? 163 balles de tout remplir. Emplissons ce qui est gratuit. Emplissons le payant. Et puis, commençons à pleurer. Donc là, il n'y a plus que les pommes à remplir. Hein. Oh, ça coûte cher, la pomme. Oh. Je souffre. Financièrement, c'est terrible. Oui, j'ai vu, mon personnel, il peut monter de niveau, ça n'intéresse personne. Il est largement compétent pour le peu de tablas qu'on a. Pas besoin de s'embêter. On pourrait se payer un barde, mais c'est pas dans les objectifs. Les trucs de fruits, là. 7 sur 10. Allez, faut pousser, là. Plus de pommes. Vends des pommes, là. Vends des pommes, connard. Dépêche-toi. Dépêche-toi de vendre des pommes, là. Dépêchez-vous, là, des pommes. Ouais, voilà, des pommes. Vas-y. Coupe-moi 3 pommes là-dedans, on n'en parle plus. Allez, let's go, ça part. Et il les coupe même pas, il jette des pommes entières avec une poire et tout. Non, mais il est fou, lui. Ok. On a des nouvelles choses qui sont apparues. Tac. Mais on n'est pas payé pour le faire. Donc, on ne le fait pas. Ok. Très important. Les fruits, c'est passé. On a donc une nouvelle recette formidable. On peut aller au menu. On remet tout. Et on remet tout. Voilà. Et on remet tout, mais bon, on n'a rien. Le pain, c'est 22 balles. C'est pas rentable. Pourquoi c'est en rouge? Le pain... Ah non, c'est parce que c'est un plat principal. Ok. Let's go. Et c'est quoi le... Moyenne en étoile, on est pourri, c'est ça? 100% de chance pour les... Je sais pas... Ok. Normalement, on est censé servir 68 clients par jour. Hein. Faut envoyer, les gars. Hein. Arrêtez vos conneries. Hein. Hop, on remplit. Dépêchez-vous. Hein. C'est vide, là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Rouillez-vous. Mais d'ailleurs, je suis en train de remplir des trucs dont on ne se sert pas. Non, on ne se sert que du blé et des pommes. Le reste ne sert à rien. Le reste, c'est gaspillé. Ok. Commencer le jour suivant.
Quels sont les nouveaux objectifs? Engager des musiciens. Let's go. Hop. Dépêche-toi. Voilà. Dégage. Trop cher. Fou, quoi. Terminer n'importe quelle recherche. Ça arrive. S'assurer que tout le monde est au-dessus de 80% de bonheur. Servir 59 clients. Je veux dire, mes gars doivent être au-dessus de 59% de bonheur. De 80%. Hein? S'assurer que tout le personnel est au-dessus de 80% de bonheur. Mon cuistot, il chante la vie. 70% de bonheur. Oh, le con. Compétence pour les desserts. Tu seras un monstre du dessert, ma gueule. On m'a dit que tu devais être heureux. Prends 15 balles. Toi, tu chantes la vie. Parfait. Transporte 5 boissons par 5 boissons, ça me fait plaisir. Toi, chante la vie. Parfait. Vitesse sans rien transporter, mais t'as fini de te traîner les... Oh, elle traîne. C'est insupportable. Qui est la spécialiste des boissons? Tu peux transporter 5 boissons. Gna gna, vide. Vitesse quand tu portes des boissons, t'es nul. T'es nul, elle est où l'autre? Ah. Elda. Oh, vous êtes nuls toutes les deux, alors là. Les concurrences des nuls. C'est toi qui est. Ok, c'est. Donc c'est l'autre qui a la. Toi là. Hop, les boissons moins. Les aliments, oui. L'hôtel, jamais. Allez, tout le monde est heureux. Donne-moi mon fric, je suis encore plus heureux. Attends, c'est de terminer n'importe quelle recherche, ça me donne que 2. Oh, c'est rien, c'est ridicule. On a tout rempli. Voilà. On est pas mal. Financièrement, on arrive à tirer du pognon, hein. 8 par jour, on pousse, hein. C'est vraiment, on pousse les gens, hein. C'est, poussez-vous, dégagez, tirez-vous. Ok. Alors, légumes, viande, j'aimerais voir si ça bouge, en fait. Voilà. Vraiment, en fait, ça périme. Si je fais des achats qui périment, en fait. Je suis pas sûr que ce soit très utile, en fait. 37-30, facile à retenir. Ok. Servez des clients plus vite. Il reste des places là. Il reste une place ici. Il reste une place là. Regardez toutes les places qui restent. Mais dépêchez-vous là. Oh, c'est silence. Servez plus vite. Je vais les virer à la fin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais ouais, la corbeille de fruits, elle est top. Allez, il y en a un qui a pris son verre d'eau, il se casse là. Voilà. Parfait. Excellent. Consommer. Non, ça bouge pas. Ok. Attendre qu'on me donne le feu vert pour faire les choses. C'est fou, hein, parce que j'ai envie de faire des choses, mais il faut pas que je les fasse. La cuisine est peut-être un petit peu trop grande, pour le coup. On verra bien. Il y a les décos de cuisine, il y a le fait de pouvoir ajouter un chaudron, tout ça, tout ça. J'ai développé des événements. Voici comment ils fonctionnent. Ouais, oui, c'est l'étape, l'événement, et là, cliquer pour le confirmer. Ok. Qu'est-ce que c'est, n'importe quelle recherche. Boum. C'est là l'idée pour aujourd'hui. Moi, je vais choisir le vin, prochain objectif. Même si je devrais choisir les aventuriers, techniquement. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais gagner du temps. Est-ce que... Je l'aurais bien déplacé là, du coup.
pour gagner du temps, mais bon, tant pis. On va commencer le jour suivant. Bam! Alors, quels sont les objectifs? Avoir une moyenne de 0,1 pour la nourriture, ok, organiser tout événement une fois. J'ai pas la réputation pour. Donc c'est là où il va falloir sûrement rajouter de la déco, même si on me le demande pas. Terminer n'importe quelle recherche, ne servir que des desserts pendant toute la journée. Ok. Donc le menu. Il n'y a pas de pain aujourd'hui. Événement, on peut pas. Il faut absolument que j'ajoute de la déco. Quoi que je choisisse, ça rapporte 30. À part la peau de vache. 200 balles qui rapporte 50. Deux fois plus cher pour... Oh, merde. Décoration. Qu'est-ce qui rapporte bien? Une bibliothèque, ça rapporte bien, mais ça coûte 500 balles. Ça rapporte 2 fois 7 plantouilles, en gros, pour coûter 5 fois plus cher. T'es malade, vous. En sachant que toi, globalement, t'es le plus rentable. Hein. Je regarde... Ah non, hein, 75 balles pour... Ah non, ça c'est très rentable, ça. 75 balles pour 75, on est à 1 pour 1, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Je scroll un peu, hein, je regarde. Hein. 75 pour 100. Très rentable. Hein. On va à la rentabilité. Hein. Vraiment, juste on est un neuneu. On est un débilus. On veut de l'argent. Voilà. Donc on a dit le plus rentable c'était pas toi. 75 pour 75, c'était quoi? Le plus rentable c'était soit... Moi je l'ai perdu. On a ça. 75 pour 75. On peut s'accrocher des petites chopines. Oh, non, ouais quand même, là, quand même le jeu me dit des choses. C'est toi 75 et tu rapportes 100. Le Shieldas. Rentable. Et juste pour le plaisir quand même. On se prive beaucoup depuis le début. Hein. Des chopinettes. Non quand même. Quand même, un peu de respect quoi. Bam. Je peux organiser maintenant un événement. Dégustation de vin. J'ai la recette, mais j'ai zéro fromage. Ça dépend, ça s'achète le fromage ou il faut que je passe par des aventuriers? J'ai la totale un zéro fromage. Engager des aventuriers. Ouais, bah non, il faut que j'engage des aventuriers. J'aurais peut-être dû faire la recherche là, cette recherche là, mais bon. Ah oui, tant que j'ai pas un oblion qui rentre là-dedans, la recherche n'avancera pas. Si ça commence par les invités rares. C'est horrible. Le jeu vient de me faire un coup, mais horrible. Terminer n'importe quel... Bah, en fait, ce que je vais faire, ce qu'on va faire, c'est arrêter ça, commencer ça. Voilà. Au moins, ça avancera. De servir que des desserts toute la journée, ça va être bon. Organiser une fête une fois, ça sera bon, mais du coup, pas aujourd'hui. Avoir une moyenne de 0,10 de par nourriture servie. Pour l'instant, on est à 0,5. Le cuisinier est un peu nul. T'es nul, le cuistot. Y a rien de plus à faire. On laisse couler un peu. Alors techniquement je pourrais embaucher un gajo, mais vu le nombre de places que j'ai, je suis déjà à 83 clients par jour. Ça, on les pousse dehors quoi. On les pousse dehors puisqu'on a 4, 8, 12 et 4, 16. On a 16 places, on fait 83 personnes. Hein. C'est j'ai l'impression que c'est un fast food. Mais c'est un fast food tu sais avec... Genre en mode le patron il est juste derrière, il pousse les gens dehors tu vois un peu.
Genre les... Alors, qu'est-ce que... Ah, niveau supérieur pour le rouleau à la crème, bien sûr. Bien sûr. Avec grand plaisir. Parfait. C'est noté. Hugo veut passer niveau 2, si tu veux, hein. Mais non. Non. Hors de question, Hugo. Bonne journée. Bisous, bisous. Voilà, on est enfin rentable. Et on a des petites chopes accrochées en plus. On a tout gagné. Oh, le bouclier épais qui rend 6 classes dans le bâtiment, quoi. La recherche avance. On sert beaucoup de clients en une journée, hein, en vrai. Il manque plus que 6 gars. Bon, après, on est sur la nuit, là, à mon avis. Là, on aura plus rien, là. Ouais, c'est ça. La recherche sera terminée demain. Ah non ? Ah bah, elle est terminée, là. Paf ! 80, la nouvelle recette. Allez, recherche. Bah moi je préférerais mettre la main sur le vin. Il a l'air d'avoir une certaine rentabilité, ça ne m'intéresse guère. Je peux cliquer dessus et dire non mais je m'en fiche. Ah, voilà, salut. Hein. Non, ok. Ça c'est bon, la recherche les choisir. Ouais, vin. Ne servir que des desserts et organiser une fête, ce sera demain. Maintenant il faut que je vois dans le menu c'est quoi le nouveau truc. C'est le gâteau à la cerise au KLM. Très bien. Bon, il reste plus qu'à boucler la journée. Au calme. Parfait. Paf. L'événement va tomber. Bah, nous n'avons rien d'autre à débloquer. Il faut qu'on attende le lendemain. Let's go. La teuf. Acheter la table de l'aventurier. Acheter n'importe quel ingrédient 50 fois. Posséder 6 tables. Oula. Oula, oula. Là, c'est la douleur. Posséder 6 tables. Alors, 6 tables, ça peut le faire. Hein. C'est juste des tables qu'il faut. Hein. La table pas chère. Les vendre, hein. Sinon j'en mets un comme ça dehors. Ça marche aussi, hein. Non, ça n'a aucun intérêt. Vire-moi ça. Prends-moi mon pognon. Parfait. L'étape c'est fait. Ensuite, donne-moi 300 balles. Il me manque plus grand-chose. Acheter n'importe quel ingrédient 50 fois, ça attendra un peu. Marion Elite, on peut avoir une serveuse d'élite, incroyable. Nouvelle recette et tout. Let's go. Ça roule. Faut rentrer du pognon. Allez, allez. 16 sur 20 clients. Ah oui, c'est les clients d'événements. Ok, en rouge. D'ailleurs, je me demande si je change de recherche entre deux. Est-ce que ça me réinitialise toute la recherche? Grande question, n'est-ce pas? Peut-être un jour aurons-nous la réponse. Mais pas aujourd'hui. Ce jour n'est pas arrivé. Bon bref, tout ça quoi. Par contre, il me faut du fric, hein. Ingrédients, ça compte l'eau, genre si je remplis de l'eau. Ça compte dans les ingrédients? Non. Je tentais une escroquerie, hein. Acheter la table de l'aventurier. Ouais. Table de l'aventurier, c'est bon, on peut l'acheter. Spécial. Yes. Oh là là là. Oh, ils sont beaux. Pff, oh, c'est vainqueur. Cette table de vainqueur. Hein. Oh, la table de commandement. Hein. Bam. Oh, j'aimerais bien avoir acheté des ingrédients là. Je suis un peu pauvre. Hein. S'il vous plaît, je suis pauvre, s'il vous plaît, laissez-moi acheter des ingrédients. Mais il m'en reste beaucoup à acheter. D'ailleurs, on s'en fiche de ne servir que des desserts. Tout, mais tout. Tout, on vend tout, vas-y.
On l'aura pas aujourd'hui. Hein. C'était trop tard. Hein. Mettez-moi n'importe quoi, j'en sais rien. Laissez-moi acheter des ingrédients. Je sais pas combien. 36 sur 50, au secours. Mais les gens, ils ont que soif, quoi. Oh, tout le monde a été servi, au secours. Ah, attendez. Peut-être moyen de faire un... Boum, j'ai rempli. Ça passe ? Oh, 3 ingrédients, vas-y, y en a bien un qui va m'acheter un truc. Achetez-moi un cake aux pommes, vite fait. Là, vous avez bu que des verres d'eau, bande de cons. Ils vont me douiller ma quête. 3 ingrédients. Alors attendez, je peux peut-être réussir ma quête. Et pour réussir ma quête, il me faut. Alors attendez, je fais des choses, je fais des dingueries. Hein. Cuisine. Je mets ça ici. Quête réussie. Nouvelle recette débloquée. Elle est ajoutée normalement. Pourquoi j'ai pas... Je viens de débloquer une nouvelle quête. Peut-être que je laisse défiler un peu, mais... J'ai reçu une nouvelle... non, c'est pas là, le menu. Rôti, le poulet, machin, steak, tout ce que tu veux. Gâteau à la fraise. Ah, c'est des événements, ça? Non. Vas-y, on sert tout, nous. Hein. Ah non, j'ai pas de... Ah mais non, on sert rien du tout. Parce que les fraises et tout, c'est des trucs d'aventuriers. On les a pas. Ah. Et du coup, le truc que je viens de débloquer, je sais même pas ce que c'est. Bref. Ah, super. Il nous reste une pièce d'or. On a un peu des clochards. C'est dommage. Ok. Nouveau jour. Quelles sont les quêtes? Servir plus de 40 clients en une journée. Easy. À quoi qu'il pleut, normalement, je crois que client divisé par deux. Servez 50 clients rares en organisant des événements. Remplir 150 litres de n'importe quelle boisson. Atteindre 2 étoiles avec n'importe quel aliment. Pff, ouais, vous êtes chaud, les gars. 2 étoiles sur n'importe quel truc. Je crois qu'il y en a un. Faudrait que je serve plus que des roux à la crème et des gâteaux cerises. Non. Ouais, non, ça va être trop loin à monter. On ne sert plus que des gâteaux à la cerise. Plus que ça. On n'a que ça. On n'a rien d'autre. Ok. Donc ça, je vais essayer de passer mon plat en 2 étoiles. 50 clients rares en organisant des événements. Je crois que ça va être cuitos. Hop là. On le passe quand même, mais ça va être sur un autre jour. 150 litres de boisson. Ça va peut-être pouvoir se bricoler. Oh, faut rentrer un peu dessus. On verra bien. Wouah! Des aventuriers. À l'aventure, camarade. Ouais, faites des trucs comme ça. À 187... J'ai pas d'argent. Pour vous envoyer à la cueillette des champignons, pour l'instant j'ai rien. Oh, c'est vraiment la team chevalier quoi. Mais vous consommez quelque chose ou... Genre vous êtes juste des relous qui me tapaient du fric. Oh la lourdeur des mecs. Je devrais le replacer lui dans ce sens là. Pour avoir un service plus rapide. Du service. Interdit de t'enfuir de ta cuisine. Ah non, c'est que du 1 étoile. Je me suis fait douiller. Il vient de passer son étoile. Super. Je sais pas quoi. Ah, ma recherche. Comment c'est le grill? Refuser le grill, prendre la bière brune.
Mieux. J'ai 195 balles. Allez me chercher du fromage. Je sais pas, ça me coûte pas plus cher d'envoyer toute l'équipe. Ah, oh oui, d'accord, ok. Je peux choisir de réduire l'équipé. Ok, pour pouvoir envoyer le reste de l'équipe, genre ici. Ah, 74% de chance de passer. Ok. Ok, ok, j'ai entendu. Je comprends. Non, pas aux champignons. Je voudrais vous envoyer aux fraises, les gars. Attends, t'envoies des chevaliers à la cueillette, quoi. C'est un gros style. Ici, il sert à rien. Hein. Moi, je dis, on vend. Hein. Je pense que ce gars ne sert à rien. Ça me fera des sous. Hop. 84 balles. C'est récupéré, ça. Ça, c'est récupéré et c'est bien payé. Remplis tout. Hop là. Et on prend, du coup, tac, tac. 106. Malheureusement, on remplira pas le reste en objectif. Atteindre 2 étoiles avec n'importe quel aliment. Ouais, bah, 1 sur 2. Ouais, bah, super. Jour suivant. Qu'est-ce qu'on prend comme nouvel objectif? Acheter un nouveau baril, le 20. Servir 50 clients rares. Faire progresser n'importe quel employé. Ah, faut que je fasse progresser un employé. Alors, Hugo. Hugo, t'es tendu. T'es tendu, mon Hugo. Mon Hugo, t'es tendu. T'as l'air tendu. Deviens le roi du dessert. Et en plus, t'es heureux. Voilà. Boum. Plus 2. Le baril de vin. J'ai pas les sous. Atteindre des étoiles sur un plat. Servez 50 clients rares lors d'un événement. Le problème, c'est que c'est pas le moment de l'événement, en fait. Il me redemande pas de refaire des décos, des choses comme ça. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup la taverne est en train de pourrir sur elle-même. Mais à un moment donné, on aura une jolie taverne. Une fois qu'on aura notre garde du corps, notre machin. Une fois qu'on a notre petit rota là, on sera bien. L'objectif, c'est que les employés évidemment ne coûtent pas trop cher. Hein. On nous apprend le capitalisme primaire. Ne payez pas les gens qui ne. Les gens qui peuvent vivre dans la précarité. Hein, comme si des gens pouvaient se permettre de vivre dans la précarité. Oui, la réponse, tout le monde. Tout le monde. Ok? Tout le monde. Sauf les actionnaires. Non, quand même. Très bien. Tonneau de vin. Pas l'argent. Parce que je crois qu'il coûte 400. 400 balles. 400 balles le tonneau de vin rouge. Mais pour mettre du... Alors là, tu vois, 1500, à la limite, presque, je me dis, ah, lait, cidre, hydromel, c'est un peu particulier, peut-être des bois différents, tu reçois une nouvelle table avec directement 3 tonales dessus et tout, il se passe des choses, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi pas? Mais encore, ça fait cher. Bon, le chef, j'ai envie de dire, laisse-moi des pots. Hein. Donne-moi un pot, pot terre cuite, là, on sera très bien. Allez. Lourdez du fric, lourdez du fric. Allez, braves gens plein de raisons. Il pleut, il fait un temps pourri en ce moment, on progresse pas, on progresse pas. Alors attendez, j'ai eu mes aventuriers, mes compagnons, ils m'ont amené... J'ai des trucs genre fromage et tout, là. J'ai rien. Genre les gars, ils ont rien ramené. Aventure disponible, aventure en cours. Ah, j'ai des aventures en cours, ok, ok, ok. J'ai juste une tablette de gars en plus qui s'est ramenée. Ok. Baril de vin. Et dans mon vin, 58 litres, vas-y. Normalement, on va se taper notre voleur ce soir. Je vais prendre les décos de cuisine. Embaucher, on peut embaucher des gens, hein, chef, tout ça, machin. Blablabla. On s'en fout, il n'y a pas de problème avec ça. Plus 3, bam, 350 billets, mon tonneau de vin remboursé. Merci. Merci à tous pour cet instant de gaming intense.
Le reste, pas besoin de le remplir. Je vais aller ici. Il faut que je remplisse ça. Oh là 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 là. Par contre, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Hein. Gâteau cerise, il faut que j'en serve encore un petit paquet là. C'est pas pour tout de suite. Et apparemment, il aime bien se servir dans celui-là. D'ailleurs, gâteau aux cerises avec des pommes. Hein. Exclusivement à la pomme. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Acheter un nouveau baril bière Brunner. Les gars, ça coûte cher! Organiser, durant un événement, servir 50 clients rares. J'organise l'événement. L'événement, je crois que c'est actuellement, si je dis pas de bêtises. C'est aujourd'hui. Excellent. Qu'est-ce que ça raconte? Terminé. 10 fromages. 14. Allez. Et donc là maintenant. 14, ok, 5 fromages. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Le baril de bière brune qui va coûter 500 billets. Servez 50 clients rares en organisant des événements. Atteinte 2 étoiles avec n'importe quel plat. Donc on continue avec le même plat. Allez. Allez. On est à moins 93. Il y en a une, elle est un peu dégoûtée de sa vie là. Qu'est-ce qui t'arrive? 35%, on a de la marge. T'es heureuse. Tu nages dans le bonheur. D'ailleurs, pour organiser mon truc, 500 billets, ça 600 de gloire, de machin, c'est suffisant. Donc cet article là. On a 690, je crois qu'on peut en vendre un autre. Ah quoi que je suis pas sûr, attends. Le spécial. Ah oui, le tableau rapporte conséquemment énormément. Hein. Excusez-moi. Hein. Ouais, c'est 100 par 100. Hein. Je vais même le remettre au milieu. Avec beaucoup de style. Voilà. Et on est toujours à 690. Parfait, non? Nage dans le bonheur. Voilà. Prends un peu de pourliche de temps en temps. Ramène un peu de pognon, connasse. Dépêche-toi. Les gens sont heureux, les gens sont heureux. Serveuse d'élite. Il manque 6 pour ça. Avec un peu de chance, on fait le plat aujourd'hui. Ça, c'est bon. Le baril de bière, normalement, on peut le sortir aujourd'hui aussi. Hein. C'est sur 20 clients. On va servir tout le monde, ça passe. Bah non, parce qu'on est en... on est au max. On est au max de ce qu'on peut servir. Il faut que je puisse rentrer 4 clients de plus. Hop. Hop. Allez. Il faut 4 clients de plus. Allez. Tous les clients se devaient rendre. Ah bah d'accord. Bon bah c'était bon en fait. J'ai jeté l'argent par les fenêtres. Le scandale. Le baril de bière brune, bien sûr. On en prend 20 litres, tout de suite. Alors, ok, mais la bière brune, c'est de la merde un peu. C'est deux pièces de... En fait, on gagne rien de plus. C'est vraiment, on claque juste de l'argent pour avoir de la diversité, alors que ça n'a visiblement aucun intérêt. Helga est malheureuse et pourrait démissionner demain. Où es-tu, connasse? Helga, tu es là. Tu nages dans le bonheur. Crevure. Trim. Tout le monde rêve de travailler à la cuitasse. C'est un rêve. 2 étoiles avec n'importe quel plat. C'est pas atteint. Mais on n'a rien vendu. Ah, les gens ne veulent plus, quoi. Ils en ont plein le cul. Bon, bah, très bien. On a de tout.
Ah, c'est vendu 35 balles, un fromage. Alors attendez. Parce que les gars m'ont rapporté genre 10 fromages. Donc ça fait 350 balles. Et ben. Dans les événements. Est-ce que on peut regarder un peu, essayer de prévoir le futur? On a la recette, il nous faudrait 1500 pour faire la dégustation de vin. On vend le vin à 7 balles. Ça exige des fraises. Faudrait que je renvoie à mes gars faire de la fraise. Oh, bière et bière brune. Oh, ça sauce. Ah ouais, non, par contre, les teufs, ça sauce. Alors, arrête tout. On va tout de suite retirer du menu. Vendez rien. Rien. Ne vendez plus jamais quoi que ce soit. Parfait. Hop. De toute façon, il travaille principalement avec celui-là. Très bien. Le groupe, je peux pas le renvoyer. Je suis pauvre comme un caillou. Fin de journée. Commencer le jour suivant. Qu'est-ce que ça raconte? Servir 48 clients. Préparer du corbeille de fruits 10 fois. Atteindre 2 étoiles avec n'importe quel aliment. Ok. On va essayer de faire ça. Corbeille de fruits. Ok. Bon, on va vendre que ces deux-là. Ouais, celui-là, j'aimerais bien le vendre pour passer l'étoile, mais... Ouais, on va vendre du pain, allez. Et on va vendre du pain. Très bien. On commence la journée à moins 108, hein. Grosse journée. Je suis très étonné aussi de ne pas m'être fait braquer une seule fois pour l'instant. Très étonné. On sait qu'il va falloir aussi qu'on décore pour passer à 1500 de déco, puisque globalement, c'est tout ce qui nous manque pour faire l'événement, hein. L'événement, ouais, c'est tout ce qui manque. Hein. Est-ce qu'on envoie d'abord des aventuriers? Alors attends, les événements. Hop. On peut réorganiser le petit événement claqué, hein. Bien sûr, on adore. Et ici, si on veut faire de la fraise, là, à 2250 de déco, voilà, faites du travail. On fera des dégustations de vin, hein, 1500. Hein. Quand on aura les moyens, hein, bien sûr. D'abord, on enverra les aventuriers chercher du fromage. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Ouais, vous avez l'air de passer une sale journée. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est 178 pour vous envoyer chercher du fromage. Vous foutez pas de la gueule du monde, quand même? Deux cons. Et du coup, ils sont stockés là, mes ingrédients? Ouais, j'ai du fromage. Ok. Ah, il fait un peu... Il répartit un peu, ok. Ouais, allez me chercher du fromage. Hein. On vous explique qu'on va à 100% de chance, let's go. Hein. Allez me chercher du fromage. À l'aventure, compagnon. Hein. Pour du fromage. Hein. L'incendie, bien sûr. Alors. Vous deux là, vous êtes les plus proches. Là. Le chef. Ici. Là. Toi. Là. Non, non, pas ça. On s'en fout. Oh. Toi, là, parfait. Allez. Parfait. Oui. Je veux bien réparer ce banc. T'es cher, hein. Le banc m'a coûté son prix neuf, hein. C'est dinguerie. Pour du bois en plus, hein. 50 pièces d'or pour des bouts de bois. Corbeille de fruits, je suis à 2 sur 10 de préparer. Vas-y, basé. Est basé. Ah, j'ai fini ma recherche. Ok, barbecue, les décorations de cuisine. Alors, qu'est-ce que ça donne d'ailleurs les décorations de cuisine? Parce que je n'avais pas vu dans l'épisode 0. J'aimerais bien voir ce que ça donne. C'est de la merde, on s'en fout, c'est ça? D'accord, ça débloque juste des décos. Des décos. Des décos. Décorations. Décoratives. Qui décorent. Qui sont éclatées au plancher.
mais qui nous intéresse évidemment énormément. Plus de serveuses, non. 14 Yankees. Ah, j'aurais pu me faire cette recherche d'abord. Hein. Prix des boissons. Ah ouais, non. Faut qu'on aille là, nous. Hein. C'est obligé. Hein. Plus de fric. Hein. Parce que là, on tire la langue. Hein. Bon, la bière brune, on n'en vend pas une seule. Donc ça va. Quelle auberge de qualité avec son mur en moins. Je pense qu'une petite table qui déborde. Je pense que ce serait parfait. Deux voleurs? Non, c'est une blague. Ah, ils m'ont pété à deux barrels? Non. Oh, le jeu, comment il abuse. Je vais piquer deux barrels. C'est pas un voleur, c'est deux voleurs que tu viens de m'envoyer, ordure. Embauché. Un garde. Un garde armé, Léopold. Avec son épée longue. Talbot, qu'est-ce que tu veux, Talbot? Mais qu'est-ce que tu casses les couilles? Prends ton billet, salope. Excusez-moi. Il peut transporter 6 boissons. Essaye d'être efficace un peu, s'il te plaît. Je me suis fait taper. Le tonneau de vin et de limonade. C'est des choses qui arrivent. Mais attends, je crois qu'à l'événement, je vends de la limonade. Hein. Il faut de la limonade. Hein. C'est urgent. Faut que j'achète de la limonade en urgence. Oui, oui, des barils sont vides. Je suis au courant. Ah oui, tu m'emmerdes parce que les gens veulent... Allez-y, j'achète de la limonade. Il est embauché, mon gars. Hein. On est d'accord. Hein. Employé, employé du mois. Bam. J'ai gagné une serveuse, c'est ça? J'ai pas compris. Ou est-ce que je peux embaucher quelqu'un de légendaire? Ça a pas l'air. Serveuse garde. Moi je veux bien, mais j'ai un garde là. 100 balles. Probabilité de se défendre contre risque faible 100%. Risque moyen 33%. Il va falloir investir un peu dans mon garde. Hein. Je sais même pas si on le voit. Sur le... Non, il est pas représenté. Il a pas l'air d'être représenté en tout cas. Oh, on est si chic. Impressionnant. Hein. Un jour restant. Le niveau de l'aventurier est calculé sur la base du prestige et il affecte le pouvoir de l'aventurier. Ah, ok. Plus j'ai prestige, plus je pourrais lancer de gars au combat. Et en plus, c'est 1500, c'est ce qu'il me faut pour faire le teuf suivante. La teuf du fromage, là, ce qu'ils appellent la fête du vin. Mais j'ai plus de barils de vin. Ce qui me règle beaucoup de problèmes. Voilà. On y va piano, hein, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Hein. On est un petit peu en souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Terminer n'importe quelle recherche, ok. Préparer du corbeille de fruits, ça va se boucler aujourd'hui. Servir des clients, hein, 2 étoiles avec n'importe quel plat. Ouais, mais d'accord, mais on vend pas de plat là, on vend rien. Vend tout, je m'en fous, fais quelque chose quoi. Vends ce que tu veux, mais vends-le quoi. Ça c'est bon. Ça va se débloquer normalement. Non, ce que je voulais, c'était déclencher l'événement, c'est aujourd'hui, ça va se débloquer aujourd'hui, c'est bon. Ça va se débloquer aujourd'hui. Merci pour mes 10 fromages. Cool. Tous les clients ont été servis, 200 billets. Ils sont où mes 200 billets, s'il vous plaît. On a ouvert, j'ai fait 200 billets direct. Tout remplir, ça me coûterait 726.
suis pas sûr de vouloir faire ça. Presque vide. Hugo, tu montes pas de niveau en plus tout de suite, hein. Et pour 2$ de plus, t'es un peu moins dégoûté. Quelle ordure. Les barils sont vides dans le bar. Au secours, vite. Gratuit en plus l'eau. Franchement, l'eau, on peut pas se permettre que ce soit vide. Hein. C'est le produit le plus rentable de la taverne. Tous ces verres d'eau vides. Parfait. Les gens nagent dans le bonheur. Parce que d'ailleurs, une question, moi, si je rajoute une fenêtre, ça rajoute quelque chose. C'est genre, c'est une plus-value. Ça rien du tout, on s'en fout. Hein. Alors, les tavernes, on s'en fout une taverne avec une fenêtre. Hein. Bon, en même temps, vous avez une grande fenêtre ici. Les barils sont vides dans le bar. Non mais attends, c'est pas possible ça. Limonade. Bon bah 280, vas-y, remplis. Hein. Voilà. J'ai mal, hein. J'ai mal à mon budget. Pourquoi ça se valide pas? Ça y reste 10 clodos là. C'est la teuf aujourd'hui, normalement ça se valide tout seul ça. Attends, ça c'est ma serveuse d'élite là. Rosalinde, non. Liga, niveau 4. Élite. Ah oui! Elle est fâchée! Splus! Ah oui, c'est une speedrunneuse même. Boum! Plus 3. Bloquer n'importe quelle recherche fait. D'ailleurs, je perds du temps sur ma recherche suivante. Plus de clients. Ah, prix des boissons. Vite, il me faut du pognon, les gars. Serveux, je crois qu'on est. On est bon. Je crois que si on fait ça, on va le voir. Enfin, on peut encore mettre une quatrième serveuse. On est large. On est large. Qu'est-ce que tu veux, toi? Go, tu nous emmerdes. Tu fais rien, tu vends rien, tu nous sers à rien. On aimerait bien que tu serves à quelque chose. Mais c'est pas le cas. Ok, c'est quoi les objectifs? Acheter un grill de cuisine. Je crois que je peux même pas faire ça. Cuisine. Ah si, il y a le grill. 300 balles. Trop de serveuse. Elga, licencié. Voilà, ça dégage. Moins de serveuse, moins de problèmes. Faut en servir plus vite, garçon. Hein. C'est un peu lent. Hein. Bon, ça, heureusement, de toute façon, il me faut deux serveuses pour faire le relais avec la cuisine. J'aurais bien aimé un mur bas, un mur découpé là en deux. Genre par exemple, genre mur découpé en deux ici avec le, avec lui là, qui gueule hey, il est prêt ton plat. Ça aurait été trop bien. Même d'ailleurs ça aurait été trop bien si on pouvait le coller à un mur. Ça aurait été trop stylé. Ah, essayez hein, pour le coup. Faudrait que je l'essaye. Ça a l'air trop bien ça, comme idée. 10 fois un plat, c'est fait. Atteindre 2 étoiles sur n'importe quel plat, à première vue, je peux toujours aller mourir. Le grill de cuisine, je crois que c'est trop cher. Hein. Non, c'est bon, 300 balles, ok. Peut-être mettre une petite loupiote à mon cuisinier, mais je suis pas sûr en plus que... Je sais pas si ça influe sur son bonheur. Par contre, ça influe sur mon nombre d'incendies. Et ça, je suis moins fan.
cigale là-dedans. Y'a plus de pommes. Je m'en fous, on a ailleurs des pommes. Hop. 400 balles. Ça, ça régale. Plus 14 clients. Plus 14 clients, on prend. L'aide Rommel, oh, cher. La vie est chère. Il manque des ingrédients dans certaines caisses sur le sol. Ouais, je sais, je m'en fous. Ouais. Ouais, je la garde juste parce qu'il y a des fromages dedans, hein, je crois. Parce qu'il y en a 10 là. Et 10 ici, donc 20 au total. Donc si je détruis cette caisse là, enfin que je vends cette caisse là, j'ai peur que... j'ai peur que ça nous porte préjudice. Les corbeilles de fruits c'est reçu, n'importe quel plat... on en est où en termes d'étoiles de nos plats? Hâte de servir ce truc là. On va garder le pain. On va encore garder quelques trucs puis après c'est fini. Alors, est-ce qu'on se mettrait pas un petit événement, tout ce qu'il y a de plus basique et éclaté au plancher? On commence le jour suivant et on essaie de sortir de la déco. Mais c'est bizarre, j'ai pas eu la quête ascendant de 78 clients par jour. Alors là, il va falloir que je paye un barde. 2 étoiles sur un plat. 250 litres de n'importe quelle boisson. Il va falloir que je paye un bardos, quoi. Pff, j'ai pas envie. Hein. Cher les bardes, hein. Prendrez un peu la flotte, ça vous fera le plus grand bien. Oui, tu seras un peu dans le noir, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Remets-moi les bardos ici, là. Voilà. Énorme anti-incendie. Pour l'énorme anti-incendie. Ah non, on a dit qu'on pouvait mettre un truc dans le coin pour la déco ou quoi que ce soit. Ici, ça suffit à largement assez. Une bougie, mec, mais c'est un luxe. Mais c'est tellement un luxe. T'imagines même pas. Donc ça, je le décalerai plutôt par là, du coup. Avec genre la table des aventuriers juste là. Ça, on est bien. On pourrait se mettre ça comme ça. Comme ça, ce mur-là, je le détruis. Oui, mais ça, il faut d'abord que je le détruise. Parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé tester des choses. Si je détruis ce mur-là... Est-ce que déjà, de base, j'ai besoin de ça? Pas sûr. Il m'emmerde, ce cuisinier commence à me coûter trop cher et il m'emmerde. C'est surtout ça le drame. C'est que ça. Ça, si je dis pas de bêtises, tu veux pas que je le colle contre un mur. Ouais, t'apprécies pas. Ah, t'apprécies pas même que ça mange sur le comptoir. Ah ouais, donc bon, oublie ce que je viens de dire. On va juste se mettre un faux mur bidon. Genre... on peut pas se mettre de porte là-dedans, c'est... J'aimerais voir si on peut se mettre une porte là-dedans, ce serait rigolo. Mais bon. Ouais, non, mais on va juste mettre ça. Terminé. Ça, y a pas de porte. Faut savoir pourquoi t'es malheureux, toi? Ah, prends ton niveau, bien sûr. Il devient un champion du dessert. On gagne 6 pièces d'or supplémentaires sur les desserts. Ça, c'est bon, ça. Je m'en fous que cette caisse soit vide. Vide tout le reste là-dedans, même s'il faut. Ça ne me dérange pas. À la carte, j'ai même pas genre un grill à mettre. Voilà, mets-moi des trucs, mets-moi des trucs. Ah oui, non, ne mets rien pour l'instant. Voilà. Juste... on voit le minimum, hein. On voit le minimum.
Donc nous on a créé ça. Qu'est-ce qu'on veut? Hop là. Atteindre les 78 clients par jour. Visiblement c'est bon. Je sais pas comment mais c'est bon. Remplir pour 307$. Changer les prix. Ah. Augmenter. Diminuer. Augmenter. Alors, c'est quoi le prorata, ce que je gagne? Globalement, 1$ par boisson. Je vais en servir au moins 52. Je vais en servir au moins 52. Et je perds même pas 20 clients pour ça. J'en perds 19. Mais ouais, augmente carrément. Bon, là par contre, il reste plus que 8 clients, c'est compliqué. Très bien. Les prix ont changé. Oh, l'eau est à 3 balles. Déjà, on peut pas choisir que l'eau reste moins chère. On peut pas régler. Dommage. Bah ouais, hein. Les gars, c'est la vie. Hein. Faut rentrer du pognon. Hein. 250 litres de n'importe quoi. Allez, ça part. Ça part. Juste ça part. Et moi, il va falloir que je songe déco. Parce qu'il faut que je songe fête. Plus grosse fête, quoi. Regardez-moi ces petites tapes dehors là. On prend l'air ou on prend l'air avec ça? Ça. Ça, les gens savent pas la chance qu'ils ont. Je pense que les gens savent pas la chance qu'ils ont. Voilà. C'est juste ça, je pense. Les gens ignorent. Ignorent la beauté de cette taverne. Je rappelle que je pourrais même virer le sol. J'aurais le même niveau de plaisir. Les gens aiment boire leur bière dans l'herbe. Avec juste un toit couvert au-dessus. C'est cool. C'est juste cool en fait. Voilà, on peut arrêter de servir du pain. Arrête de servir du pain. Tu sais quoi, sers ça et ça à la place. Voilà. C'est devenu un pro des desserts, je vais plus servir un seul dessert. Je suis pas du tout énervé. Arrête de servir des tartes aux pommes. Reste un blé là-dedans. Il y a un blé là-dedans, tu peux pas l'utiliser. Très bien. Là-dedans, qu'est-ce que ça raconte? L'élite, elle est heureuse. Par contre, elle coûte une fortune, la petite. Léopold. Avec un casque, tu serais pas mal. Mais ça t'enlèverait du swag. On va renforcer... si, je vais quand même renforcer Léopold. Tes chances de résister d'ailleurs à une agression maintenant, c'est combien? 67%. 67% c'est bien. Avec un casque? Zblu 100%. Il est énervé. Ça sera ça donc une nouvelle recette. Servir 92 clients. Waouh. Avec des mecs un peu légendaires, tout ça. Enfin, des clients rares. 2 étoiles avec n'importe quel aliment. Le truc, c'est que le mec ne veut pas. Hein. Il refuse catégoriquement d'atteindre son étoile supplémentaire. Sa spécialité, c'est quand même la tarte aux pommes, là. Enfin, le gâteau à la cerise, là. Prends-moi un gâteau à la cerise et on le refait. C'est quand même pas... C'est quand même pas impossible, ce que je demande, non plus. Est-ce que, tant qu'à faire de la déco... Ce serait pas le moment de se faire une vraie taverne. Moi j'aurais envie de dire oui. Il a 50 balles le mur. Ça m'emmerde un peu. Ça me saoule un peu même. Eh, on a presque une table de trop. Hein. Ah oui, mais c'est parce qu'elle est dans le noir celle-là, c'est ça. Ouais, les gens veulent pas venir, elle est dans le noir. Attendez. Est-ce que ça a augmenté mon nombre de clients? Tous les clients de cet événement ont été servis 200 balles cash maintenant tout de suite. Parfait. Améliorons donc la cote des lieux. Au-dessus des chasseurs. Enfin, le truc des chasseurs au-dessus des héros. Le grand lustre au-dessus des saltimbanques. Pas assez. Vous êtes pauvre comme un caillou. Gentil. On est passé à 900.
faites tomber la thunasse. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu me vides le dernier blé qui est ici. Mais pour vider le dernier blé, il faut que j'en rajoute un autre. Comme ça, tu feras un pain à l'occasion. D'ailleurs, rajoutons à la carte un pain. Non, même pas. Voilà. Parce que t'es un champion du dessert. Ne l'oublions pas. Ouais, avec des légumes, des machins, ok. Moi, ça me va. Eh bien, je peux ajouter un lustre. Lumière. Parfait. Ça, ça éclaire. Hein. Bam! Il y a un risque modéré d'incendie, c'est des conneries. Bon, on change la qualité. La qualité de nos cires. C'est un peu cher cette histoire. La limonade s'est bien descendue. Qu'est-ce qu'on a? Bam. Parfait. Une nouvelle recette. Attendre deux étoiles avec n'importe quel aliment, c'est pas encore arrivé. Alors c'est quoi cette nouvelle recette? C'est encore un truc d'événement? Je sais même pas. Ça sera peut-être disponible que demain, c'est peut-être le pavé de poisson. Ok. Eh ben, commencez le jour suivant. Zlé! Tu l'as même pas tué, vous avez réussi à vous défendre contre les voleurs. Je... Quoi? Ouais... Verse plus vite. Se défendre contre les voleurs. Excellent. 92 clients, ouais. On n'en sert pas beaucoup, hein. S'assurer que tout le personnel est au-dessus de 80% de bonheur. Ouah, c'est cher, mais putain, ça donne beaucoup. Bon, allons voir le personnel. Marion, elle se régale, hein. T'es hors de prix. Un billet, mais j'ai mal, hein. Lumière, tout ça, tout ce que tu veux, machin, ouais, mais on s'en fout un peu. On s'en cogne un peu, tiens, viens-moi cette bougie là-bas, là, par exemple. Pareil, cette bougie, colle-la plutôt ici. Pourquoi elle est éteinte, celle-là? Je sais pas. Je sais pas, mais elle est éteinte. Donc ça, on est bon. On peut rajouter des lanternes à l'extérieur. Ah ouais. C'est rigolo. Voilà, j'ai pas assez. Vous êtes pauvres. On est pauvres, mais c'est un peu classe. Pourquoi Oh ouais, vas-y. Allumez-la, hein. Elle est considérée comme étant allumée. Sont considérées comme étant dehors, je crois qu'elles sont éteintes du coup. Mais c'est marrant parce qu'elles sont considérées comme faisant de la lumière, c'est très étrange. Ah! Deux étoiles enfin! Enfin! Servir 92 clients, parfait. Du coup, prenons le menu. Tout, on vend tout. Événement, on vend rien, parce qu'il n'y a aucun intérêt.
Il nous reste plus qu'à atteindre nos 1500. On va reprendre la fête du la fête tout court, hein, à l'eau et la limonade. Et ensuite, et ben on va aller chercher nos 1500. Et pour aller chercher nos 1500... Ah, la récolte. Ça vaut presque le coup d'attendre un jour de plus. Presque le coup d'attendre un jour de plus. Pour avoir le tableau gratos qui, je sais pas combien va rapporter, mais normalement il devrait régaler un peu. 7 clients, c'est léger. Hein. 50 balles, 7 clients, c'est très léger. Hein. Vaut mieux augmenter les prix quand ils seront trop contents. J'ai quand même perdu 10 clients dans mes conneries. Hein. Ah! Le dromel machin s'en fout. Table à découper, c'est mieux. Hein. On a de la thune. Ça, c'est une très bonne chose. Ok. Ouais, on peut faire. En vrai, avec le nombre de serveuses qu'on a, je pense qu'on peut. On peut s'offrir ce petit instant emballage de commande. Oh, c'est quoi même? Regarde, hop, je le prends, je le mets là. Cette cuisine est trop grande, je trouve. Elle aurait mérité d'être un peu plus compacte, même si je pense que le grill va commencer à gêner. Et hop. On va lui mettre même une petite loupiote. Du quartier rouge. Voilà. Viens acheter tes sushis à 800 balles pièce. Voilà. Je pense que c'est mon plus beau cadeau. En termes de déco... voilà. Voilà. J'ai régalé. Comme ça, normalement, si le prochain tableau donne 200 aussi, on est très bon. Brutal quoi. Oh, c'est brutal hein. J'aime pas. Trop brutal pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Posséder un tapis. On n'a pas les moyens. Putain, 280. Oh, la souffrance extrême. Et on rappelle que je ne remplis rien. On souffre. Hein. Oh, financièrement, on souffre tellement. Du coup, j'ai presque envie de mettre le truc avec la petite barrière de bois, mais je trouve ça un peu moins stylé que si je lui avais mis un comptoir, là, comme ça. Je vais lui mettre un comptoir, je pense. Hein. Je suis en train de penser déco. Hein. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça va être moche. Enfin, ça va être moche. Là, c'est déjà moche. Mais à un moment donné, en plus de ça, je vais tout détruire, je vais tout virer, afin que ça dégage par-dessus bord. Pour mettre les vraies tables. Les vraies tables avec les vrais gens et tout. Et je pense qu'on va commencer à manger beaucoup beaucoup de place. Hein. Je sais pas quelle... Ouais, on pourra faire un truc. En plus, à première vue, il y a un système d'étage. Je sais pas s'il est déjà implémenté dans le jeu ou pas. Est-ce qu'il va falloir attendre... Oula, là, il y a un paquet de gens là. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Hop, 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 hop. Ah ouais, ouais, d'accord, les deux filles, là, elles envoient. Ah ouais, d'accord, donc j'ai rajouté effectivement le poste de achète tes sushis, tes bretzels, ton poisson, là, ta vraie schmitt. Et subitement, j'ai plus assez de serveuses, quoi. Par contre, on fait un bif, hein. Moi, je pense que ça va. On mettra un coup de pouce à la serveuse existante, ça se passera bien.
118 clients. Ah ouais. Le menu, on peut changer les prix du menu? Non, dommage. Est-ce qu'on peut réduire le nombre de clients? Genre... augmente encore. Ah ouais, non, là je divise par deux mon nombre de clients. C'est pas forcément très rentable. On va garder tout ça. 92 clients. Attendre 126 clients par jour. Ah bah ça, y a pas 50 solutions. Hein. 125 avec ça. Souquer les Artimus. Ok, l'équipe s'est barrée. Plus de serveuses. Plus un bar. Ah, le nouvel étage. Ah oui, oui, il y a encore des trucs. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non, d'accord, il y a encore des trucs. Accessoires pour la soupe. Plus de plantes. Allez, on va faire la recherche sur la serveuse pour avoir plus de plantes. Ok. Acheter une table pour découper à la cuisine. Excellent. Ça va nous donner ce dont on a besoin. La table de découpe. 350 billets, on n'a pas. On est pauvre. Allez. Bam, 200 balles. C'est bon, on est riche. Hop. Cuisine. Cuisine. C'est ça la table à découper. Table à découper. Le cuisinier, il est enfermé chez lui. Il n'a pas le droit d'exister. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir tout refaire. Bon, je remets pas de mur. Hein, ça restera sans mur. Boum. La récolte. Spéciale. 300 la récolte. Oh. Oh la régalade. Bam. La recherche c'est bon, ça tourne. 126 clients par jour atteints, sans problème. Vous avez passé le niveau 2, félicitations. 9 fromages, non mais c'est la crise. Hein. La crise, hein. Allez chercher des fraises. Hein. Prends le vieux avec... Prenez toujours un vieux avec vous. Ça fait stylé, les gars. Allez. Faut aller bûcher. Il manque des ingrédients dans cette boîte. Oui. Bah, j'aimerais bien qu'elle tombe à zéro, cette boîte, en fait. Mais elle a pas l'air... non, excusez-moi. Ça a pas l'air de vouloir tomber à zéro. Ce qui m'embête un peu. On a un événement qui tombe, je crois. Ouais, c'est ça. Demain... aujourd'hui, il est en cours. Il est whip. Et celui-là, il sera OK. On est OK sur tout. Limonade. Normalement, limonade, faut charger aujourd'hui. Hein. Et l'eau aussi, hein. C'est gratos en plus. Profitez-en. Hein. Hop, 44. On charge la bière. On charge le vin. On charge tout. On a rentré là-dessus. Ok. On est bon, hein. On est bon, on est pas mal, hein. En fait, le jeu te pousse toujours en avant à racheter des trucs, ce qui m'empêche, en fait, de faire la transformation finale de... Enfin, la transformation finale. Tout du moins, le projet de transformation de cette taverne. Je vois des choses. Je vois des choses intéressantes. J'ai pas regardé en termes de clients extérieurs si... j'ai atteint mon nombre de clients à posséder un tapis vite. Avant que ça se finisse. Tous les tapis coûtent 100 balles. Sauf la peau de vache qui coûte 1 million. Mais qui est celle qui rapporte le plus.
coûte super cher et qui vaut rien. Moi, je pense qu'un grand tapis rouge, voilà, ça sera très bien. Je vais le placer là. À moitié dehors, c'est très bien. Il est impeccable. Il faudrait 3$ à n'importe quel ingrédient. 100 fois. Merde. Pas assez de thunes. Raté. Raté, c'était l'occasion de ma vie. Bon, de toute façon, c'est la fin de service. Hein. Ouais, ouais, ouais. Super. Ok, qu'est-ce que ça raconte? 67 clients. Easy. Posséder deux tapis. Oh non, mais c'est trop cher de tapis, vous êtes fous. N'importe quel ingrédient, 100 fois. On est à 29. Ah oui, 29. Wow. Faire progresser n'importe quel employé. Ok. Clients par jour, faut brasser, hein. Faut brasser là, hein. Là c'est comme la bière, hein. Faut brasser. Hein. Oh la dingue, là faut boire, faut manger, faut vous barrer. Hein. Mange tes wraps sucrés là. J'ai l'impression de pas avoir assez de serveurs. Hein. Ils sont 1, 2, 3 déjà. Hein. C'est pas bon ça. On va embaucher. Alors. Il me faut une serveuse. Genre toi. Alors. Elle a fait tout. Continue à servir les boissons en courant. Par contre, c'est Lana, la dernière. Ah non, 4, elle est encore meilleure que toi. Ah oui, Rosaline est moins bonne. Du coup, Rosaline, les boissons vraiment dernier. L'hôtel, pas du tout. Ouais, on verra. Fais de l'hôtel parce qu'en plus t'es nul. Donc voilà. Passe à la bouffe quoi. Dépêche-toi. Voilà. Tac. Et passe à l'import-export. Hop hop hop. Ça prend la commande. Tac, ça envoie. Mais j'ai l'impression du coup d'avoir trop de serveuses maintenant. Mais c'est huilé, ça marche. J'ai des caisses où qu'on plus du tout d'ingrédients. Mais mets des pommes là-dedans, t'es fou. Vite. Mais pauvre fou. Mets des pommes. Mets tout dans cette boîte. Mais rien dans celle-là. Celle-là, on va la vendre. Celle-là, l'objectif, c'est de la vendre. Même ça, j'ai peur de faire disparaître le fromage et les fraises qui sont dedans, mais bon. En termes de menu, on met tout, hein, on met tout. D'ailleurs, dans les événements à suivre, c'est la fête du vin le prochain. On s'organise ça. Est-ce qu'on pourrait pas se remettre une petite fête du vin derrière? Je sais pas, hein. Il n'est pas encore, mais. Ah si, parce que, excusez-moi, en termes d'événements, niveau supérieur, parfait. En termes d'événements, je crois que il y a une histoire de... Attends, si je te vire toi. Celle des fraises, il faut juste un peu plus de répute. Ah, c'est loin les fraises. Hein. Déjà programmé dans 7 jours. Ah, vas-y. Bon. Fraises, 2250, ça coûte quand même un peu de... Hein, un peu de design et tout. Hein. Les carreaux de sol, ok. Faire progresser n'importe quel employé. Racheter des marchandises, faut que j'achète de la marchandise. Posséder de ta. Ah, un tapis. Voilà. Ah, alors attendez. Avant que tout le monde s'en aille. Hop, le petit tapis là. Vraiment, on s'en fout. Au moins, j'ai un tapis. Donne-moi 500 balles.
acheter pour n'importe quel ingrédient. J'en achète encore. C'est toujours pas bon. Faut que j'en achète combien? 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et la progression des employés, gros, j'y peux pas grand chose. Hein. Talbot, ça fait longtemps que t'as pas monté de niveau. Là, ça va pas tarder. Hein. Hugo aussi. Lana, ça commence tout juste. Marion, elle est à fond. Trop énervée. Rosaline, ouais, c'est pas tout de suite non plus. On pourrait aller voir ce bon vieux Léopold. Et lui filer une armure énervée. Voilà. J'ai plus de thunes, mais au moins Léopold, il est énervé. Hein. C'est tout ce qui compte. 67 clients, c'est encore en cours. Préparer du pavé de poisson 11 fois. Eh ben, je suis pas sûr, là. 155 clients, c'est pas tout de suite, ma gueule. Faire progresser n'importe quel employé. Va falloir augmenter le nombre de clients, les gars. Ça, c'est pas mal. On a dit quoi d'autre? Du pavé de poisson. Je sais même pas si on a ça au menu. Pavé de poisson, si on peut faire ça. Bah si, on peut tout faire. Alors... Vous arrêtez de... Voilà. Limite, on garde un steakhouse, tu vois. Le pain, on arrête d'en faire, ça c'est sûr. On garde tout ça. Oh, pff, on n'a pas besoin de celui-là, on n'en vendra plus. Gardons ces deux-là. En fait, je pense que plus on a de trucs à la carte, mieux c'est. Mais après... Non, faut que j'optimise qu'on va... Ce qu'on peut vendre. Donc, let's go. Ouais, mais la nouvelle recette, il va m'en demander beaucoup. Ces deux-là. Ces deux-là, ça me suffit. On a moins 347 au secours. Combien ça coûte, ça, à recharger? 117 boules. C'est pas pour tout de suite. Les fruits, des viandes, des machins. En fait, j'aurais aimé faire... Ce qui est dommage, c'est que pareil, on peut pas faire des caisses qui sont dédiées à un truc. C'est un peu dommage. Du coup, ça te garde un message de « Ouais, mais c'est vide !» Vous avez ramené mon fromage? Ramenez mes fraises. Voilà. C'est quand votre prochain palier d'aventure? Wow, 3000. C'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Ah, Talbot passe un niveau. Ouais, vas-y, verse des boissons plus vite. Ça me va. Ah, il m'en faudrait un à 3, 151, on a 142. Attends, j'ai sélectionné ce gars-là, là. Pourquoi t'es tout seul sur ta scène? J'ai embauché deux types. J'ai envie de sortir 150 billets là. Ça c'est client, ouais, c'est pas suffisant. Du poisson, on en a fait qu'une fois. Allez, 150 balles, dépêche. Oh, on les aura pas. La carte. Niveau supérieur pour le poisson rôti. Et bon, on fait plus que du pavé de poisson et du steak. Du spécial, on en a plus. Ah ouais, ok. Ah non mais ça, ok, c'est bon, je me suis... Ça c'est exactement le même, c'est histoire de s'ajouter un deuxième bar. Un sans slipar. Ouais. Ah, sinon on peut garder 1000 balles pour aller chercher, bien sûr, la cheminée. Hein. Cheminée à 1000 balles, ça change tout. Hein.
Et oui, j'ai beau jeter du fric dedans, il est toujours tout seul, il change rien à mon ambiance. Le charman. Pas de quoi améliorer cet objet. Ok. Donc je peux le déplacer là. Ok. Alors en mode pause. Posséder 8 décorations. Ah enfin on a la possibilité de ne servir que des desserts pendant toute la journée. Atteindre les 155 clients, mais t'es un malade. T'es un malade dans ta tête. Alors il me faut 2 décos de plus. 2 décos de plus. Ça part. 2 décos, on a 200 balles. Bah, on va pas aller chercher très très loin, mon gars. 200 balles. Ouais, ça c'est classe. On n'a pas de fenêtre. Dommage. Ah, de la déco de cuisinier, tiens. Tiens, mon cuisinier, là, régale-toi. Eh, je me fous pas de ta tête ou bien? Voilà, ça fait 2 décos de plus. Boum. Et j'ai mon nouveau carrelage. Alors, on se régale ou pas? Allez. Et on a 1930, hein. La science avance. On est sur une fête du vin, si je dis pas de bêtises. Donc on vend du vin à 7, on vend du vin à 7 balles, hein. Donc le vin, on charge, hein. Je peux même pas en entendre parler, hein. Ah bah voilà. Là ils sont 3, là ça souque les artibus. Ah, ça picole du vin, c'est bien. C'est bien, plus de godet. Videz-moi du godet. Jean Godet. J'aimerais savoir, ça transférer mes marchandises ou j'ai tout perdu? J'ai tout perdu, voilà. J'ai ma réponse. Bière, c'est acheté. Le prochain, c'est hydromel et machin. Ça coûte une fortune, ça. On aimerait bien avoir notre cheminée aussi, ce serait cool. Que je vais mettre temporairement dans la cuisine. Cuisine a une déco de ouf. Ouais, ouais, Hugo, formidable. Ah oui, mais attendez, je crois que je suis cuitos parce que comme un crétin... Ah oui, j'ai 2 objectifs qui sont incompatibles, genre ne servir que des desserts toute une journée et préparer 11 post-sky. Super, c'est vraiment... Voilà, et j'envoie du fromage en plus. Quel crétin. Ah oui, bah oui, j'envoie du fromage. Bah oui. Eh oui. Bah oui, c'est normal. Va falloir aller m'acheter. Oh, c'était pas une bonne idée. Du fromage, les gars. Hein. 15, 16. Oh, pff, énervé. 14. Pff, allez, ça part. Oh, vous êtes lourdement financé, hein, profitez-en. Le fromage, une plus-value, bien sûr. Évidemment. C'était pas aujourd'hui que j'allais faire des accessoires pour la soupe. Ah, des accessoires pour la soupe. Discute. Et argument. Hop. Tous les clients étaient servis. 300 balles. Ah ouais. Oh bah regardez. Hop là. Déco. Petite cheminée du plus bel effet, mon gars. Boum. On atteint le palier pour faire la méga teuf suivante. Poum, ici. 2250. Il me faut... Ah oui, parce que du coup, j'ai paumé mes fraises. Oh là, j'ai paumé mes fraises. Il me faut des fraises, les gars. Tout pour les fraises, hein. À vos risques et périls, hein. Désolé, hein. Va falloir vous donner un peu, hein.
Ça va bien pas. Ça, à mon avis, ça va pas bien finir pour eux. Hein. Par contre, il arrête de faire un temps pourri dans le jeu là. J'y gagne rien. Vraiment. Vite fait. Pluie. Orage. On a tout eu quoi. Ouf. Zli. Tu dégages. Ça par contre c'est trop dommage qu'on puisse pas genre planter les voleurs, avoir une chance par exemple de planter les voleurs pour récupérer de la thune sur eux ou des choses comme ça, ça aurait pu être carrément cool quoi. Ou carrément pouvoir se dire tiens, à force de tabasser genre ce genre de voleurs, tu finis par exemple pour en attraper un pour la justice et donc gagner de la thune, ou avoir des aventuriers que tu vas pouvoir du coup embaucher pour aller trouver la tanière des voleurs, etc. C'était très drôle. Posséder 13 bancs. D'accord. Attendre 155 clients. Alors là, ouais, va falloir faire des choix. Et je pense que le choix sera vite fait. On va servir que du sucre. Donc, rien du tout. Même le dessert légendaire. Ah, on en a servi un dans notre vie. Let's go. On fait des choix. 169 clients par jour. L'objectif c'était combien? 155. Ah bah c'est déjà reçu. Préparer le palais de poisson et 13 bancs. Ah ouais, ouais, acheter des bancs à la con. Là. Ah des petits bancs là. Bancs simples. Bon. Petit banc. Petit banc c'est un banc. Hein. Je vis dans un négatif. J'ai mal aux yeux. Hein. Oula, compagnon. Ah. Et je pourrais aller refinancer une quête de fraises, hein, en vrai. Hein. Tout le monde est heureux. Surtout Hugo. Ok. Alors, moi je maîtrise la situation. Ça va là. Non. Je veux le monsieur là. Ah, il a déjà bugué. Sale blaireau. Hop. Hop. Je peux plus choper le cuisinier. Ouais, vas-y, répare les meubles, si tu veux. Voilà. Et mon cuisinier, il est pété jusqu'à la fin, là. Alors, on va sauvegarder au cas où. La cuitasse, oui. Et on va charger la cuitasse, oui. C'est de débloquer le cuisinier. Hein? Ah, ça ne marche pas. Ah, c'est... Seul l'autosave, ok. Bon, bah, écoute, seul l'autosave. Bah, écoute... Ok. Bah, attends. On va cuisiner du sucré aujourd'hui. Cool. Bon, on est en positif. Et du coup, tout pour les fraises. Bon, les incendies, c'est pas au point sur le jeu, hein, mais voilà. La caisse, c'est un vrai problème. Hein. 211, est-ce qu'on peut lancer une expédition pour des fraises? Ah bah, du coup, ça a terminé les expéditions. A échoué, ah bah voilà. Les gars, hein, tout pour des fraises. Hein. 96%. Là, c'est 100%. Rosalie, Lana, tout le monde est heureux, surtout Hugo, comme d'habitude, bien sûr. On sera à 139 clients. C'est quoi les exigences du coup? Gagner 1100 balles. Bon, bah, juste à patienter, on va cliquer dessus et acheter 3 bancs. Acheter 3 bancs, on n'en parlera plus. Hop là. Réparer du pavé, ouais, de machin, on s'en fiche. Attends.
Servir que des desserts. Ah, servir que des desserts dans la journée, c'est fait. Changeons cette carte. Nous servons aussi des pavés de poisson. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que... Ah oui, les bancs. Les bancs. Les petits bancs. Voilà. Pour les clochards. Voilà. Non, pas ça. Ça. Vendu. Vendu. Parfait. Donc les fraises, ça a échoué, ce qui fait que donc je n'ai pas de fraises. Le système de répartition, le jeu n'est pas au point, je pense qu'il n'est pas terminé d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas au point du tout, du tout, du tout. Hop, on charge tout, on est bien. On charge tout, on est très bien. J'ai même 25 pièces d'or de budget. Je suis un monstre. Moi, je pense qu'on a un petit peu trop de zikos là. On va les garder jusqu'à la fin. Hugo est malheureux. Oh non. Non, Hugo. Hugo, ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Je pense que t'es un homme de qualité et que ta capacité à produire des plats principaux est vraiment très très appréciée. Voilà. À combien? 83%. C'est quoi? 45. 88%. Hugo n'a jamais été aussi heureux. On l'appelle la belette de la cuisine. Voilà. Ah oui, bientôt la soupe. Certes, qu'est-ce qui nous intéresse? Rien du tout, on continue à servir des pavés de poisson. Très important. Faire progresser n'importe quel employé. Super, j'aurais pu... Ouais, mais sauf que Hugo serait barré. Oh, la nuit étoilée, bien sûr. Magnifique, magnifique. Le plus beau tableau, je trouve, de Jean-Luc François de la Rivière, Vandame Hugo... Enfin, le peintre de version Ouest, quoi. Ne servir que des desserts pour... Oh, mais il m'emmerde. Peintre 3 étoiles avec n'importe quel aliment. Oh, il m'emmerde. Ça, c'est très chiant, hein. Ça m'empêche de vendre mon pavé de poisson, là. Ah, du coup, je peux augmenter un employé. Vitesse sans rien transporter. Oui. Augmente. Boum. Ouais, bah ouais. Attends, 3 étoiles dans n'importe quel aliment. Je sais même pas si j'en ai un qui a 2 étoiles. J'ai servi tous les clients. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi l'événement du jour? C'était la fête ordinaire. Ouais, non, mais c'était quelconque, c'était pas très intéressant. Nous, ce qu'on attend, c'est une fête turbo intéressante, bien sûr. On aimerait bien faire ça. Un jour restant, on va renvoyer les hommes chercher des fraises, vite. À la fraise, la gars. Hein. À la fraise. Il nous faut 163 balles. Il nous faut un billet, hein. Dépêchez-vous, là. Hein. Les gens, achetez à manger, faites des choses. Alors, les gens, ils veulent pas parce qu'il y a que du sucre à acheter. Putain, pourtant, le sucre, normalement, ça se vend bien. On m'a raconté que ça se vendait super bien. 82, 100%, emmenez un rouquin avec vous. Ça porte bonheur. Prochaine tablée, elle monte à 3000. 3000 ça, hein. 3000 on prend. Hein. 3 étoiles sur... Ah oui, c'est lequel qui a 2 étoiles? Le plat à 2 étoiles, le plat à 2 étoiles... J'en ai aucun à 2 étoiles. J'en ai aucun à 2 étoiles en fait. Le cuisinier il va rien faire de sa life. Je vais rien vendre. Bon, en tout cas on est bien plein. On est garni. Ouais, on garde la team des bardes. Pas besoin de monter qui que ce soit. Tout va bien. À la limite, rend plus puissant notre garde. C'était quoi les autres objets? J'oublie tout. 5 poissons, ça sera validé à la fin. 3 étoiles, on va porter quel aliment. On va rien vendre du jour. Super.
Ce mélange de quêtes est horrible. Tu peux enchaîner chez toi, mec, hein. Je t'enverrai pas tout seul en quête. Bah, ne valide pas. Ah, tu n'as pas servi que des desserts aujourd'hui? Super. 12 décorations. Bon, en négatif, de toute façon. Ouais, lancé. 12 déco. Alors, déjà. 14 fraises, parfaite. C'est parfait. Tac. Le prochain événement, c'est l'événement des fraises, les gars. Ouais. Oh! On s'envoie du frix. Allez, s'envoie du sucre. Hop. Ça part sur table. Let's go. Ça s'est emballé. Hop, s'emballe. Plus vite. Tu liches pas assez vite. Hop. Commande prise. Hop, il me faut une commande ici. On voit du sucre. Parfait. Le mec, on voit que du sucre. C'est bon, ça. Au niveau du menu. Boum. Ouais, donc le plat doit bien attendre 3 étoiles. Je vois pas à quel moment j'ai un plat qui a fait 2 étoiles. Oui. Les musiques sont bien choisies. Je trouve ça cool. De la déco. Alors, de la déco, d'accord, certes. Des trucs un peu chic. On va rentrer du chicos, mon pote. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Et un vieux sac de parchemin. Ouais, c'est moche, les parchemins, quand même. C'est pas la gloire. Par contre, c'est classe. Hein. Ajoute-moi ça. On va s'ajouter aussi, peut-être pour plus tard, le porte-manteau, bien sûr. Déco, le porte-manteau, bien sûr. Il sera pas ici tout de suite. Dans l'idéal, il sera déplacé. Boum! Hop là! Regardez-moi ça, là. Tac, le spécial. Alors. Aïe, il n'y a plus beaucoup de murs pour l'art. Si, je passe encore des choses. Je parle mal. Non. Voilà, parfait. Il est magnifique. Rien d'autre à ajouter. Ne servir que des desserts toute la journée, ça sera bon. Le plat n'atteindra pas les 11 étoiles. Le poisson, on l'aura toujours sur les côtes. Donc ça a l'air de se débloquer. Hein. Ça a l'air de vouloir vendre des plats sucrés. Hein. Il faudrait que je vende des rouleaux à la crème, là. Il faudrait que je vende du rouleau à la crème. Ouais, j'en vends, mais est-ce que ce sera suffisant? Allez, hein, faut que ça commande, hein. Allez, vous refusez de servir, ça y est, parce que c'est la fin. Ah. Quel service désastreux. Et je paye ça? Quelle indignité. Quelle indignité. Ok, on est bon. Jour suivant. Quels sont les objectifs? Acheter un bassin d'eau pour la cuisine, acheter une étagère à épices pour la cuisine, préparer des pavés de poisson, atteindre les 3 étals avec n'importe quel aliment. Eh bien, très bien, on va à la carte. Et les gars, on a du pavé de poisson aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a de salé. Hein. Oui, on s'en fout, tout le monde est heureux. Tout le monde nage dans le bonheur, évidemment. Eh bien, faisons du pognon. Je vous propose de rentrer du cash. Faites du travail, c'est demain. Et la fête du vin. Évidemment.
Allez, on charge, hein. Il y a du client qui s'emmerde là-bas. Vite, vite, vite. Ah, ils tiennent la ligne, quoi. La ligne. C'est un vrai truc de vendeur, de rester aligné devant l'entrée. Il fut une époque. Un truc stupide. Quoi? J'ai pas une vendeuse, genre, quasiment dédiée à... genre, moins de nettoyage, moins d'aliments, pas d'hôtel, sortir, je sais pas ce que c'est. Vite à vie. Mais gère-moi les commandes en priorité. Hop, hop, voilà, c'est ça. Allez, envoie. Voilà, il y a la queue, là, il y a la queue. Plus vite. Qu'est-ce qu'il est lent, ce cuisinier. Donc, on a dit, pour la cuisine, il faut un bassin d'eau. Allons-y. Cuisine. Bassin d'eau. Je sais pas à quoi ça sert, mais vas-y, t'as de l'eau. Juste à côté du... Hein? Il est ici. Et de faire pivoter cet accessoire. Plus d'espace autour de lui, mais t'es un débile ou ça se passe comment? Voilà. Le mec marque vraiment des phrases random, quoi. Il va nous manquer le chaudron. Et ça, c'est quoi? Étagère à épices. Et je crois que c'est ce qu'il me demande. Étagère à épices. Étagère à épices. Et c'est tout. Et ben, allons chercher l'étagère à épices. Et c'est tout. Cuisine. Étagère à épices. Je sais pas où te la mettre. T'inquiète, je vais trouver. Alors, il est temps de créer un espace un peu plus aérien. Quoi? Quoi? Tu veux pas le mettre au-dessus du grill? Tu te fous de ma tête? Éléments superpose avec un autre. D'accord, j'ai pas le droit de le mettre au-dessus du grill. Ça on a le droit. Pas le droit non plus. C'est marrant ça. J'ai le droit de le mettre genre au-dessus de ça. Mais pas au-dessus du grill. Super étrange leur truc. On peut pas... puisqu'il est actuellement utilisé. Ah! Ok, c'est un problème. Ouais, c'est un problème aussi, ça. Tout est un problème. Cuisine trop petite. Officielle. Des épices. Tout le droit, hein. Ça va me rendre dingue, ça. C'est toujours en cours d'utilisation, mais c'est bon, je peux le déplacer. Ah oui, mais cette cheminée sera plus là. Le mec se prend la tête, il n'y aura plus de cheminée. Pauvre con. Excusez-moi.
Quel stupide hobby de joufflu, incroyable. Tac. Regardez, on gagne de la place. Ça va être du génie, hein. Ça va être du génie, il va se passer des dingueries. Hop, ça, ça va là. Hop, ça, ça va. Non, ça va là. Ça va, c'est là. Ça me paraît très bien. Ça, ça passe. Non, mais ça, ça passe au-dessus de ça, c'est très bien. Parfait. Cette cheminée, on s'en fout. Mets ça où tu veux. Par contre, la cheminée fait aucune lumière, hein. C'est bon pour vous. Tac. Genre, on peut pas cliquer dessus, c'est vraiment genre un élément de décor. Il n'émet aucune lumière qui ne sert à rien. 3 étoiles n'importe quel plat, des pavés de poisson. Let's go! Let's go, ça part, ça part, ça part. Vas-y, vas-y, garçon. Ah, vous glissez entre les maps, c'est très étrange ça. Ça me fait froid dans le dos. Oui, les teufs. Les méga teufs, la méga teuf, c'est demain. Demain, méga teuf. La teuf à la fraise demain. Teuf à la fraise. Solide, hein. T'as cette gueule, mon gars. boum. Une étoile. Bien joué. Bon. Tout le monde se tient. Dommage, on était pas loin. Il manquait un poisson. Allez. Alors. C'est le jour de la teuf. Acheter un chaudron pour la cuisine. Attends, 210 clients par jour. Oh, mais il est malade. Attendre 3 étoiles avec n'importe quel plat. Les gars, vous voulez que je baisse mes prix aussi tant qu'on y est? On ne gagnera plus rien si je baisse mes prix. Hugo, qu'est-ce que t'as, Hugo? Fais pas la gueule. Fais la gueule, mais dans ce cas-là, au chômage peut-être. Voilà, bien joué, Hugo. Tu pèses, ma belle. T'as une bougie, t'as de l'éclairage? Je me fous pas de ta tête quand même. Voilà, regarde. T'es content? J'ai même ouvert un mur pour que tu puisses voir les gens. Ah, t'es vraiment un cuisinier jamais content, toujours plus de fric, hein. Et moi, je gagne quoi après, hein? Hein? Qui travaille? Oui, c'est toi. Tais-toi! Fais chier, Hugo. Euh... 210 clients au jour. Les partistes... J'ai encore 11 clients et je les lourde. Je leur loue 50 balles de plus. Faut que je fasse 5 balles par client pour amortir le coût de ces gars-là. Allez. Au boulot, hein. Juste un poisson et on est bon, hein. On a 201 clients sur deux. Oh, est-ce que si je baisse les prix pendant un événement? Ah. Ça, on est en événement. Du coup, attendez. Des fraises. Poulet, poulet, poulet. Faut y mettre, là. Des fraises. Oh, c'est bon, c'est ouvert. Ouh, c'est bon. Ça part, hein. Ça va prendre une étoile tout de suite. Hein. Hugo, fais pas la gueule. Hugo, t'adores faire des desserts. Ils sont beaux, tes desserts, regarde. Hop, ta petite fraise, elle part. Hop là. Ça part. Dépêche-toi, Hugo! Oh, tu traînes des pattes, là! Plus vite! Supportable, ce mec. Hein. Ça va me coûter un billet. Bah, let's go. Hein. 19, 20, 19. C'est peut-être un peu trop. 15? Largement suffisant. Les gars, pour le fromage. Pour le fromage. À la gloire du fromton, les gars. N'importe, j'en sais rien, le moins cher là, je tape ça à 145, ça part. Allez, bonne route les gars. À l'aventure, compagnon. Même si vous avez plus un rond. Blague de... bref. Arbeit, hein. Hugo, on dirait que t'es puni tout seul dans ta cuisine. C'est pas fou. Non, c'est pas fou. Acheter un chaudron pour la cuisine. Ah ouais, mais ça coûte cher, ça. Alors, attends. Je vais pas passer la journée. On peut te glisser un petit chaudron. Regarde, je te prends un petit chaudron, là. Regarde le chaudron inné. C'est pas trop mignon? Moche. Est-ce que je te le mettrais pas, genre, là, quoi.
Le chaudron minet. Je me fous pas de ta gueule. Je peux en avoir 6. C'est quoi cette arnaque? Ok. J'ai le chaudron. J'ai du coup la nuit étoilée, bien sûr. De John Steinbeck. Pas du tout. N'écoutez pas les conneries que je vous dis. Hein. Alors la nuit étoilée, c'est un vrai tableau, hein, si je... pour les conneries, hein, jusqu'au bout. Mais normalement, tout le monde connaît. Hein. Enfin, tout le monde connaît. Hein. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Ouais, des éléments superposés, j'ai bien compris. Dégage. Ce tableau a chié, là. Parce qu'il a chié, ce tableau. Enfin, il a chié. Non, il n'est pas à chier. Mais... c'est quoi, ça? C'est Rembrandt? C'est qui, ça? Je sais pas. Je m'en fous, c'est de la merde. Enfin, je trouve pas fou. Enfin, voilà. Ce tableau est beau. Bon, après, un peu comme tous les tableaux de navires de cette époque. Ce tableau est incroyable, c'est sûr. Ce tableau est... Je suis pas fan de cet art graphique qui est pas encore parfaitement modelé, qui correspond à un Moyen-Âge un peu en souffrance graphiquement. Et alors ça... je sais pas qui ça fait vibrer, mais pas moi. Ah oui, si, c'est Rembrandt, ça. Avec, tu vois... Alors si, excusez-moi. Pour la technique, ce tableau est incroyable, puisque... les personnages et les lumières sont... sont répétés, mais de dos, hein. Enfin, vraiment, comme s'il y avait un effet de miroir dans la scène. Donc, comme s'il y avait vraiment un miroir, enfin, tout ça. Donc, le travail est assez fou avec la déformation du miroir. On peut même voir là, avec les pixels. Effectivement, techniquement, c'est assez fou. Artistiquement parlant, je trouve pas ça dingue. Après, il ne faut jamais oublier que l'art est une question un peu de perception que je qualifierais de personnelle. Voilà. Et que la technique fait partie intégrante de l'art, bien sûr. Je sais pas. J'ai envie de péter un lustre quelque part, là. Je pense que c'est... Ah, je peux le mettre genre... Là. Putain, le lustre, mon gars. Le lustre. Bon, essaye de servir à quelque chose, genre... Viens ici, quoi. Genre, tiens, au-dessus de la table. On peut même aller à l'extérieur, regarde. Tac. Lumière. Faut que j'arrête de vouloir glisser les objets. Incroyable. C'est beau, hein. C'est beau, Polo. C'est beau. On se poisson. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre un poisson, s'il vous plaît? On a 3008. Oh là, par contre, c'est la classe. Hein. Slay, tu dégages! Allez, passez. Il a pris sa honte. J'ai repoussé un voleur. 11 poissons toujours, les 3 étoiles, ne servir que des soupes toute la journée, ne servir que des plats principaux toute la journée. Les gars, il faut choisir. Et j'ai choisi pour vous. Il n'y aura pas une soupe à la vente. Rien. Niette. Que des plats principaux. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est les événements. La prochaine, c'est fromage, fête du vin, bien sûr. J'ai plus une fraise, va falloir que j'envoie absolument les gars en mission pour le seigneur. Je pourrais commencer à faire des dingueries, mais il me faudrait des champignons et des petits pois. Pour commencer à faire des dingues. Champignons, petits pois. C'est pas en prod. Hein. Champignons, petits pois, les gars. J'ai déjà envoyé des gars aux champis. 4 petits pois, 1656. Ah, les gars, y a plus rien à se mettre sous la dent, là. C'est quoi, là? Vous avez bossé pour quelqu'un sans me le dire en loose? Ah, je suis à moins 300, ouais, on commence la matinée. Il y a un risque d'incendie modéré dans la maison, ouais, c'est des conneries, ça. C'est des conneries, ça. Hop, regarde. Une huile de qualité. 6,3% de risque d'incendie. Huile de qualité. Y a rien d'autre à ajouter. Hugo, t'as la pêche? T'as retrouvé le bonheur, le plaisir, la joie en toi? Hugo, ça va pas, hein. Hugo, je peux pas te passer à 50 balles, hein. Ça serait pas juste pour les autres. Ça serait pas juste pour les autres. Du tout. Puisque Talbot, il génère plus de fric que toi, il prend moins. Hein. Hugo, tu fais la gueule. Hugo, c'est pas bien. Eh,
Et pour 4$ de plus. Je me fous pas de ta gueule. Dis pas le contraire. 11 poissons. J'ai vendu tous mes poissons. Excellent. Alors. Les gars, on a dit les haricots verts. Voilà. 75, c'est ça. Allez, hein, ça part à l'aventure, compagnon. Même si j'ai plus un rond. Disait la légende. Donc, je vous envoyais aux champignons, les gars, demain. 14. Est-ce que c'est suffisant? Excusez-moi. Est-ce que c'est suffisant pour l'événement? 14, je suis pas sûr. Hein. Ça me paraît un peu léger. Il en faut 10, putain. 14. Ah, 14, c'est pas suffisant. Ah, les gars, il faut que je vous renvoie aux champignons. Hein. Non. Ouais, si, on va se faire une fête du fronton. Hein. Cet événement est déjà programmé. Vas-y, une fête ordinaire. Tout ce qu'il y a de plus quelconque. Petite, ce qu'on appelle la petite en famille. Hein. Bon, les gars, du fromage déjà. Hein. Jamais négliger le fromage, bien sûr. Et puis, moi, je vous enverrai bien aux fraises, mais vous allez encore vous faire soulever. 66%, vous allez vous faire soulever, les gars. On attendra demain. Hein. Vous n'avez pas l'air d'être au point. Hein. Voilà. J'ai des soupes maintenant, ça se fait, ça. Go, arrête de te cacher derrière. Ton... Go, hein, sale petit con. Qu'est-ce qu'on a validé? Servir que des plats principaux toute la journée. Allez, on prend. Servir que des soupes toute la journée. Atteindre 3 étoiles, hein, c'est vraiment n'importe quel aliment. Bah, va falloir servir plus que des soupes maintenant. Alors, rien du tout, rien du tout. Toutes les soupes possibles et imaginables. Rien, rien et rien. Enfin, je dis ça. Demain, c'est pas la teuf. Demain, c'est pas la teuf. On s'en fout. Là-dedans, on va charger. On a du budge. Là-dedans, on va charger. On a du budge. 234 clients par jour. Va falloir vous calmer. Hein. Voilà, c'est mieux. Fada. Bande de tarés. On s'en fout. Hein. Voilà. On a réussi à chasser des pauvres de chez nous. C'est un franc succès. Bravo. Le chef à l'étage n'a pas assez de chaudron pour préparer toutes les soupes du menu. Ah! Il y a combien de soupes dans le menu? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, oui, d'accord. Il faut les 6 chaudrons. Quoi. Ok. Décoration. Non, cuisine. 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 1, 2, 3. J'en ai pas assez pour. 250 balles le chaudron! Préparer 11 poissons rôtis. Encore? Oh merde! Remplir 250 litres de n'importe quelle boisson. Dommage, j'ai fait le plein hier. Ne servir que des soupes toute la journée. Ça part. Ah, on va avoir Henri après ça, par contre. Chef d'élite. Hein. Oh, 600 balles, ce que ça m'a coûté. Ok, est-ce que j'ai de quoi. Est-ce qu'on a de quoi se régaler un petit event là? Un petit zevant, là. Un petit zevant. On peut se renvoyer du fromage. Eh ben, on va se faire péter du fromage. Ah ben non, elle est déjà programmée. Ça sera ordinaire et quelconque. On n'a pas le choix. Faut que je vous envoie aux fraises. Ah oui, ça prépare un certain nombre de portions d'un coup. Ok. Intéressant. Sur des plateaux d'argent, vous êtes livrés. Ah non, ça rigole. Hein. Oh là, platal d'argent. Hein. Ça envoie du luxe. Hein. Bah ouais, le chef, il a pas assez pour envoyer. Mais bon, tant pis. Hein. On aura l'air con comme ça. Hein. Pas trop le choix. Hein. Je trouve que les gens mangent beaucoup depuis que j'arrête pas d'augmenter le prix des boissons. On n'a jamais aussi bien vendu l'eau, les gars. 4 balles. Marge nette, 4 balles. Terminé. C'est quoi le problème? Moi, j'en vois aucun. Pas assez de chaudron. Ouais, je veux bien, hein, mais c'est pas avec tes soupes à la con qu'on va devenir riche. Hein. Ça chiffre combien une soupe débile, là? 11 balles, 13 balles. C'est de la merde. Ça rapporte rien.
Ça rapporte que dalle. C'est nul. C'est nul. Celle-là, on va, de toute façon, on va en faire aucune. Hein. Ouais. Il me faut juste un chaudron. Idéalement, il me faudrait un chaudron. Pour préparer une troisième soupe. C'est 250 balles hein, le bousingue. Hein. C'est ça, hein, cuisine 250. Hein. Ouais, à ce stade-là, je vends des bancs. Hein. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, on peut attendre. 150 billets, c'est la nuit, il n'y a plus rien à tirer. On a fait une journée, mais du pauvre Saras. Hein. Allez, on a servi des soupes toute la journée, on est saoulé. On va se mettre sur du poisson là. Hop. Vendez tout. Ouais, ouais. Y a pas d'événement dedans. Ah, si. C'est événement demain. Avoir une moyenne de 0,6 pour la nourriture. Ok, d'accord. Donc, événement en cours. Du fromton. Au menu, il nous faut du fromage. Et requise. Ok, d'accord, c'est bon. C'est validé. Ok, ok. Et il n'a toujours pas assez de chaudron, l'autre débile. Putain, ça m'a siphonné presque 700 balles. Ils sont malades, les gars. J'ai mal, hein. J'essaye d'être matinal, mais là, j'ai hyper mal. 150 lits, je peux pas. Financièrement, j'ai pas les moyens. Toutes mes tables sont pleines. Mes tables sont pleines, je peux plus rien servir. C'est la crise. Vous, zéro, cassez-vous. Bon, je vous ai payé pour la journée, bande de saltimbanques, mais tirez-vous maintenant. J'en ai marre de vous voir. Je vais peut-être vous garder en fait. Ouais, le jour de fête, hein. Au jour de fête, hein. Dis-moi qu'on sert tout le monde, hein. Ça a l'air d'être compliqué hein, de servir tout le monde. Ah, ça part en prod. Non, sur quoi, Hugo? Du fromage, bien sûr. Du fromage fondu ou juste un fromage? Froid fromage, frère. Et franchement, n'en fais pas tout un. Hein. Lol. Qu'est-ce qu'on peut s'envoyer? On peut se renvoyer un fromage. Il nous faudra des fraises, les gars. Les gars, faut aller à la fraise. Hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. J'entends tes arguments. J'entends vos arguments, les gars. Hein. Ça part aux fraises. Hein. J'adore l'humour. Hein. Pas vous? 95%. Ça part au fromage aussi. Hein. Let's go. Excellent. Paf, j'ai servi tout le monde avec les 300 balles. Super. Cuisine. Hop. Chaudron. Chaudron. Ouais, ouais, pas d'argent. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Boum, on envoie des fromages. Des fromages. Incroyable événement. Et ouais, en plus, ce qui est ouf, c'est plus j'organise cet événement, plus du coup je vais vendre de fromage. Donc plus je vends de fromage, plus mon plat monte en étoile. Ce qui est assez cool en fait, finalement. Virez-moi ces saltimbanques d'ici. Une moyenne pour la nourriture 0,57. Minable. Au secours. Pas vendu un seul poisson. Oh. Bon, au menu. Les poissons rôtis, ils sont là. Ça vire. Ouais, tout vire. Hein. J'ai qu'un seul plat principal. Après, vous vendrez forcément de la soupe, hein, puisqu'il faut que ça monte en étoile aussi. Sachant que l'autre il est nul en préparation de soupe. Hein. C'est les soupes qu'on fait baisser la note, c'est sûr. 250. Faut que je finisse par remplir là. Hein. 20. 238. On en est encore loin, mais bon. Les aventures commencent à coûter. On commence à sentir le poids des aventures.
poids financier des aventures. Quoi, vous êtes sérieux déjà? Vous avez faim? Eh, ils veulent manger eux, hein. Putain, aller chercher 4 petits pois à 80. Attends, on voit toutes les squads pour des petits pois, quoi. Niveau combien? 3008 sur 5000. Table des blaireaux, là. Il manque plus que 3 clients à la con. Sad. Ce sera sur le prochain événement. Bon, on va se refaire une raclette partie, hein, les gars. J'ai un brocoli, il me faut des jambons. Je prévois ça. Comme ça, on est tranquille. On n'a pas besoin de réfléchir, on a quelque chose de prêt, quoi. Ah, les gens, ils réclament des soupes. Et Hugo, il est tout seul, là. Il me faut mon chef, il est ici, là. Il faut 6 étoiles, hein. Mais le jeu, il veut pas les lâcher, hein. Les 6 étoiles, il m'a dit, tu vas souffrir pour les avoir. Hein. C'est terrible. Alors que si je vendais un petit rouleau de plus, ma gueule. Bam, on prend une étoile. Ouais, mais on passerait qu'à 2. Il faut que je vende aussi des corbeilles de fruits. On vend aussi de la corbeille de fruits. Prends juste des fruits, mets-les dans une gamelle. Et il me faut un deuxième chef, hein. C'est urgent. Les gars. C'est pas tout d'aller me chercher des fromages, mais il va falloir me chercher des petits pois. Ouais. Envoyer l'artillerie, hein, j'ai envie de dire. Ça part, hein. Et faudra une équipe pour les champignons. Ça se fait ou pas? Allez les gars, ça part aux champignons. C'est excellent ça. J'aime quand vous me dites ça. Allez. Ça prend une étoile. C'est bon. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça c'est pour la moyenne des plats envoyés. Faut envoyer encore 11 poissons. J'en envoie 0, je vends pas un poisson rôti. Et attendre 3 étoiles, on n'importe quel plat, mais ça va être la souffrance. Ah. Ça va être la souffrance, que littéralement c'est ceux-là où j'ai le plus de chances d'envoyer. Je peux rajouter un steakhouse pour dire vas-y, on vend des trucs, mais de toute façon, les gens sont sur les soupes à fond, quoi. Et l'autre, il est nul en soupe. Je perds tout, il n'y a aucun intérêt. Et je continue à envoyer des fromages. Ah ouais. Demain c'est la fête de rien du tout, c'est bon. Nous avant qu'on soit ruiné, on met des litrons. On valide, on prend. Oh, il me manque un. Il me manque un pour avoir un nouveau cuisinier. Oh là là, 400. Souffrance. T'as pris des fraises. Du fromage. Excellent les gars. On peut pas aller chercher du jambon. On peut pas scroll pour aller chercher le jambon. Sad. 96, bon, on a pas, mais pour l'instant ça va. Et puis ça pour l'instant ça va aussi. 19. On est quand même à 150 clients au jour. Hein. Alors, faire progresser n'importe quel employé. Atteindre les 158 clients. On va ramener les saltamanques, hein. 158 clients. Ah oui, mais il arrivera que demain, le saltabank, c'est ça. Et demain, c'est l'événement. Bon. Ça part. T'as déjà commencé les soupes. Ça commence les soupes à l'infini. Ça me dégoûte. Allez, ta soupe au poireau dégueulasse, là. Putain, j'en étais sûr. Allez, montez n'importe quel employé. Hugo. Boum. Ah, t'es heureux, ma gueule. 99%. Deviens un roi du plat principal, ça m'arrangerait que ça monte en étoile. Hein. Boum. On a Henry qui est arrivé. Ou Henry, you know. Attends, n'importe quel aliment. Let's go. J'ai 2 cuisiniers, alors là ça va envoyer. Hein. Ah, ça envoie du steak salé. Hein. Oh là là. Même les fans de League of Legends, ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. On est des dingues. Soupe. 2 supérieurs à la soupe.
Ouais. Il faut qu'on passe du poisson. De toute façon, tant que les sous n'auront pas grimpé, il se passera rien. J'ai toute une équipe d'aventuriers là ici. À l'aventure compagnon. Alors attendez. Est-ce que l'aventure compagnon, j'ai pas un rond, tout ça, blabla. Franchement, prenez le vieux mystique. Le vieux mystique, les gars, c'est sûr, ça passe. Sûr. L'équipe, on peut vous mettre sur une fraise, là. Ah, c'est chaud, hein. Et si on vous met sur un fromage, allez. Allez, ce sera un fromage, les gars. Allez. À l'aventure. Les 158 clients, c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Les 3 étoiles, c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour beaucoup plus tard. Et demain, événement de ouf. Ça c'est venu, j'arrête pas d'inverser le menu des événements, c'est terrible. Hein ? Ah, j'ai fini ma recherche. Excellent. Oula. Faut des clients gold, eh ? Ça c'est quoi, chercheur ? Éléments de cuisine de niveau 2, ok, mais ça c'est chercheur, je sais pas. Plus de clients. Plus un bar, plus machin. Ouais, ouais, là on va passer, on va changer d'étage après. On va aller chercher les éléments de cuisine suivants. Avant de passer au client trop goldé, bien sûr. Du petit pois. On a encore du petit pois sur la route. On pourrait s'intéresser à envoyer les gars nous rechercher du petit pois. Parce que si on doit déclencher une fête, on sera à 12, mais moins 10. Il reste rien pour servir un plat à base de petits pois. Donc, vu que c'est pas fou, champotte, on en a à 29, on est bon. Mais idéalement, champignons et la villageoise, quoi. Ah, tous les clients étaient servis, félicitations. Acheter n'importe quel ingrédient 50 fois. Les 158 clients ont été atteints. Sûr, évidemment. La nouvelle recette, celle au jambon, ça va nous débloquer les quêtes du jambon. Ouais, c'est seulement maintenant qu'on va débloquer le jambon. C'est bien ça. Ouais, moi aussi, je trouve ça honteux. Oh, deux cuisiniers, quoi. Pouah ! Hugo, t'es un peu nul en soupe, hein. Vraiment. C'était obligé de faire de la soupe, quoi. Mais plutôt dans cet ordre-là, hein, dans cet ordre-là. Alors que toi, bon, bébé, hein. Bébé, récale-toi, bébé. Fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux de nous. Et des autres aussi. Reçu. Acheter n'importe quel ingrédient. Ah oui, acheter des ingrédients. Ouais, j'aimerais bien envoyer la squad, mais il faut que j'achète des ingrédients. Des fraises, du coco, des machins, de la dinde. J'ai même pas de dinde. Je crois que j'avais vu une fois de la dinde. Un pour un, j'achète tout, en fait. C'est pas suffisant. J'ai acheté que 42 sur 50 ingrédients. T'es sérieux, toi? Tout. Mais tout. Mettez tout. Déployez la carte, hein. Événement. On n'est pas censé être en event? Ah oui, c'est juste de la picole. Ouais, super, hein. Bah cuitez-vous bien. Paf. Il me reste une pièce. Ouh. On va aller loin avec ça. Bon bah l'équipe, à un moment donné, à force lever les gars. Hein. Pas sérieux, hein. Allez, au turbin. Zla, tu dégages! Il serait peut-être temps d'ailleurs de l'améliorer ce soldat. Mais étant donné qu'il est très difficile de faire de l'argent ces temps-ci, c'est quoi ton problème à toi? On verra. S'assurer que tout le personnel soit au-dessus de 80% de bonheur. Non mais tu m'emmerdes. Ok, le personnel. Lana, tu vas être chiante. Lana, ta vie c'est quoi? Il passe en montant les escaliers, hors de question. Fais du pourliche. T'es à combien? 83%, c'est parfait. Marion, 100%, 100%. Lana, 51, connasse.
81. Toute l'équipe est heureuse. Elle n'a jamais autant nagé dans le bonheur. Donne-moi vite 700 balles. Acheter des ingrédients, ouais. Allez les gars, hein. Faut pousser. On a moins 500 billets. Hein. Ouah, on souffre. Hein. Ah, l'équipe est revenue. Ah, tout le monde n'est pas revenu. Ah, il y en a qui sont encore aux champignons. Tout le monde aura dû revenir. Qu'est-ce que vous foutez? Ouais. Passe-moi une soupe. Soupe, c'est nul. C'est vraiment la pire idée du monde. Ouais, il y a des gens qui veulent passer de niveau. Sûrement, je me doute. Hein. Cool. Il y a des gens qui attendent leur... Faites péter les beignets. Les sushis, là. J'ai un barman, il sauce. Hein. Le comptoir, il est pas assez grand. Oh, le mec, il pose des boissons. Le comptoir, il est pas assez grand. Ouais, bah, faut que j'achète de la matière première. Hein. Achète du légume vert, achète ça. Fous-moi la paix, quoi. Excellent. Là, 700 balles, ça régale. 700 balles, je vais pouvoir envoyer l'équipe là. De la dinde, ça m'intéresse pas. Je pourrais vous envoyer aux champignons, en vrai, ça m'intéresse pas mal de vous envoyer aux champignons. Parce que je crois que ça va me sucer toutes les squads. C'est exactement ça. Allez, toutes les squads pas. Partez aux champignons, les gars. Bonne journée, hein. La bise. C'est tout ça. Avec l'argent qu'on a, est-ce que c'est pas le moment d'aller chercher justement un petit chevalier en armure? Un petit chevalier en armure. Waouh. Dans le rideau rouge. Alors là. J'ai plus assez d'argent pour cette action. 750 ans. Hein. Oh, il est beau. Hein. Oh, franchement. Franchement, il est incroyable. En vrai. On pourrait le mettre plus par là ou plus par là. Il est un peu dans le rideau, hein, même là, il est un peu dans le... Ouais, il faudrait que je décale genre bien, quoi. Comme ça, là. Bam, là, il est pas dans le rideau. Excellent. Il est beau. Ça y est, les rats quittent le navire. Excellent. Ouh. Il y a eu des clients en colère. Je regarde même pas s'il y a des clients en colère, en fait. Ah, 600 et quelques balles, mais la vie coûte trop cher. Je suis en négatif tout le temps, c'est horrible. Ne servir que des desserts toute la journée, organiser tout événement une fois. Ok mec. Bah pour les desserts c'est cuit. Hein. C'est cuit, sauf si le jeu considère que j'ai encore pas de commande, rien. Ok. Eh ben non, c'est too late. J'ai vendu une soupe. Du coup, tu vends tout. 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 Voilà. Oh, les gars, ils sont revenus. Ah, là, c'est l'équipe B. C'est l'équipe B. L'équipe B est bonne, hein. Je crois que même c'est l'équipe A, je crois, s'ils ont leur vue dans leur équipe. Attends. Une vue avec un bonnet. Hein. C'est pas la même. Il s'est barré à la retraite. En tout cas, il y a du vieux, hein. Il y a du vieux. Ah, on se marre. On s'attriste. Ça raconte des aventures incroyables. Ça consomme pas, par contre. Faudrait au moins commander une petite soupe, tu vois. Une tisane. De blaireau. Ah oui. Est-ce que je peux organiser... non, c'est pas bon. Est-ce que je peux organiser du coup... une fraisinette partie. Ah non, il me faut 30 champis. Waouh. La victoire de la bataille. Pah. 10 balles la bière. 10 balles la bière, les gars. On a des arguments. Hein. La recette, je sais pas si je l'ai, mais je dois l'avoir. Hein, s'il me le propose, de toute façon, c'est que je dois l'avoir quelque part. Ça promet des choses. Hein. J'ai assez pour vous renvoyer en quête. Hein.
Moi, je vais vous envoyer là. Hein. Vous êtes plus que deux, je vais vous envoyer au fromage. Hein. Bisous, bisous, les gars. Que j'ai débloqué que je pouvais installer rien du tout hein. Ainsi les j'ai pas tous les chaudrons j'ai pas tous les chaudrons. Allez, comme ça j'aurai tous les chaudrons terminé. Non pas hop les événements demain c'est le 20. C'est le 20. J'aimerais bien servir que des desserts, mais je crois que c'est pas acceptable. Ouais, on va vendre du fromage. Donc c'est mort. Ils sont revenus du champignon, les gars. Non, on peut aller chercher, rechercher le marché de la ville. Protéger les routes, protéger les villageois. Ouais, des vraies missions incroyables. 45 de champignons, ça y est, normalement on peut organiser des trucs de dingue. La fête du champote. Rassemblement des bourreaux. C'est un autre style d'ambiance, les gars. Mais c'en est une. Et ben on a réussi à décaler. Hein, petit pois champignons et tout hein. On est bien. On pourrait commencer à aller chercher la suite visiblement. Je suppute. La suite ça voudrait dire protéger les routes genre. Ça va te coûter une fortune à ça. Est-ce que au moins avec toutes les escadrilles ça passe? Moi j'envoie toutes les escadrilles hein. Avec toute l'escadrille, ça passe. Mais bon, 164. Hein. 364. On les a. Ils partent. Il en reste plus qu'un. J'aurais dû l'envoyer avec. Au moins, il serait pas resté triste. Du fromage 2 étoiles. Ça, ça rigole pas. Cette quête est horrible. Elle ne bouge pas d'ici. C'est horrible. Fais le plein là quand même. Hein. Boum, tout le monde a été servi. Un billet. On en profite, on recharge tout. Et c'est vraiment les événements qui nous nourrissent. Hein, parce que sans ça, boum, sans ça on est sec. Hein. Recherche. Ouais, on a débloqué des nouveaux trucs pour la cuisine. Après, il faut vraiment une connaissance de la recherche et du développement. Je sais pas comment on débloque une clientèle goldée, mais je suppose qu'il faut encore plus de renommée et tout. Et plus de renommée et tout, finalement, ça sera pas pour tout de suite, quoi. Oh là, l'autre, il me coûte, hein. Allez, on sortira le Mega Boys Band. Ah ouais, on a 200 clients jour. Ouais. Mais quand est-ce que je les prends, mes 200 clients jour? Parce que j'ai pas la place, hein. Le jeu, tu me racontes ce que tu veux, mais je vais pas en passer 200, là. Oh, ils sont empilés les uns sur les autres là. Il y a un moine de Shaolin. Ils sont 1, 2, 3, 4. Heureusement que j'ai deux cuisiniers. Hein. Sinon, ça devient la misère en moins de 2. Péter les soupes. Hein. Péter tout ce que tu veux, mec. Hop. Qu'est-ce que ça raconte? Servir 90 clients. Et ben, tu sais quoi, on va voir si je suis capable de passer mes 198. Moi, je pense que c'est impossible. Changer les prix. Augmenter les prix. J'ai pas le choix, je pense que je peux pas servir autant de monde. Pas le choix. Et je dois courir après ma rentabilité, puisque je suis une poche percée, c'est-à-dire que hors événement, je suis ruiné. C'est-à-dire qu'il y a que les événements parce que ça coûte cher qui me rapportent du fric.
Et encore, je dis, ça me rapporte du fric, faut envoyer l'équipe, hein. Et l'équipe, elle coûte un billet, hein. Des jambons. Ah ouais, me prends pas pour un jambon, mec. 90%. What? Oh, l'équipe est souffre. Et tu vois, si je veux améliorer l'équipe... C'est pas gagné, hein, d'améliorer l'équipe, hein. Ça y est, c'est bon, j'ai vendu mes poissons. Cool. Je vends tout, là, non, actuellement. Alors, c'est quoi les objectifs? J'ai pas ne servir que des desserts, ah ouais. Y a ça, hein, ne servir que des desserts. Ça dépend, événement demain, pas d'événement demain. Hop là. Non, c'est bon, tout. Rien et rien de toute façon. Parfait. Excellent. C'est la fin de service. Dégagez les gens, là. Tirez-vous de chez moi. Excellent. Bam. Vous avez vu combien... J'étais en positif, je suis devenu pauvre d'un coup. 3 étoiles dans n'importe quel plat, servir 90 clones, on a servi 63. Ouah. La 105, il fait jour, il fait beau, normalement ça devrait rouler tout seul, acheter n'importe quel ingrédient 50 fois. C'est toujours pas un genre d'événement, c'est demain le genre d'événement. Ok. Qu'est-ce que ça raconte? Hop là, dites-moi. Bon, let's go. Je vais peut-être pas vous réemployer, les gars. C'est dommage que la tête des gars change tout le temps. Ah bah voilà le vieux avec sa capuche. Fous ta capuche. Fous ta capuche, petit con, je te dis qu'il pleut dehors. Mais papy, il fait beau. Et ta gueule, d'habitude, il pleut. Prévois, connard. Vraiment, c'est merdeux. C'est bouseux, c'est baveux. Vraiment. J'ai beau avoir plus de cheveux, ça reste quand même mon neveu. Même s'il est con. Ça rime plus. Même s'il est con, à partir de là, ça rime plus. C'est mon cadeau. Ah ouais, en plus c'est chiant parce que du coup c'est un jour où on ne vend que... Ah, 10 ingrédients encore. En vrai je peux le faire. Hein. Ça, franchement ça le fait. Hein. Faites un petit peu d'effort. Vraiment les gars ça passe. Hein. Reste combien là à acheter? 4, ça passe crème. C'est bleu. C'est passé crème. C'est bleu. La nouvelle recette. Et maintenant il me faut une recette 3 étoiles. Ça va être autre chose. Hein. 3 étoiles. Ah, la tarte aux pommes. 2 étoiles bientôt. Mais pas 3. 3, ça va être le rouleau à la crème. Hein, s'il veut bien passer. Ça peut bien passer son seuil de vente. Là, c'est terrible parce que j'ai rien dépensé en dehors de mes achats, d'ailleurs. C'est quoi, je vais tout remplir. Voilà. Juste fais mes achats. Et on va finir sur la paille au lendemain matin. C'est horrible. C'est horrible ce qui nous arrive. J'ai pas envoyé d'aventurier, je crois pas. J'ai pas envoyé d'aventure aujourd'hui. Les jambons, c'était hier, si. Ouais, c'était les jambons, c'était hier. Et voilà, là on a fait 600 balles, donc on est dans la merde. Et hop, je conclue ma journée en prenant ça, blablabla. Servir que des desserts toute la journée, attendre les 2 étoiles, blabla. Commencer le lendemain, on est en pause. Ne servir que des soupes toute la journée, alors on va te faire foutre. Je ne peux pas, on est en événement. On sert de tout. On sert de tout à tout le monde. Ah non, on ne peut vendre que des soupes si on veut. Parfait. Moi ça me va, c'est un événement soupe. C'est... Ah oui, c'est... on commémore là, c'est les chevaliers, tout ça là. C'est l'événement... célébration. We celebrate tonight. Les bourreaux, on les a déjà vus. La fête du travail déjà fait. Là c'est une histoire de jambon et noix, on en a pas, ça me les casse. J'adore l'humour. 50 clients. Ah! Ah, ça fait rentrer du client Golday. Parce que la fête est jaune, est marquée en jaune, donc c'est une fête Golday. Ah,
c'est Golden. Incroyable, ça normalement ça devrait nous saucer. Ah ouais, c'est blindé de chevaliers quoi. Oh les gars, vous avez ramené toute la Funky Family et j'ai pas assez de place pour accueillir tout le monde. Voir ça descend de la pinte hein. Voir ça descend de la pinte hein. T'es sûr ça tient hein? Ça tient la cadence bon? Tranquille hein. Pouah pouah pouah. Oh, le gars il attend devant ses tonneaux de pinte. Juste il envoie. Le gars c'est devenu une pinte. C'est devenu une pinte ambulante. Ah, c'est des héros. C'est des héros qui boivent des pintes de bière et qui mangent de la soupe. Y'a rien qui va, les gars. Je vais manger de la bière. Enfin, manger de la bière. Boire de la bière, c'est ce qu'il y a de pire sur Terre. En termes de régime alimentaire d'alcoolique. Tu gonfles, c'est que du sucre, ça te pourrit les dents, enfin ce que tu veux. Surtout au Moyen-Âge où t'as pas de dentifrice, quoi. Mais ils mangent de la soupe. Genre, ce qu'il y a de plus sain. Oui, pas une petite salade de fruits avec, histoire vraiment d'être sûr de manger ultra sain. Voilà. Un petit fruit avec une petite soupe, là. Ultra sain, mais des litrons de pinte de bière, s'il vous plaît. Oh, les dingues. Les fous. Si on allait chercher... Ah oui, c'est terminé, ça. Parfait. Protéger les routes. Protéger la routasse, les gars. Oh, alors, on va toute la squad. Yo! 14. Je sais plus combien il faut pour organiser l'événement d'après. Ah bon, on le saura pas, parce que j'ai déjà tout organisé. Du champi. De la fraise. Alors, si je te vire toi. Du champi. Il me faut 20 noix, 20 jambons. Ok, et il me faut 10. 10 haricots pour reprogrammer. Pour relancer ça, ok. 1000 balles! Oh, 1000 balles, les clients de qualité! Du coup, les 50 clients, c'est pas fait. Servir que des soupes toute la journée. Bah, c'est normalement, gros, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais être méchant, mais j'ai rien servi d'autre. Hein. Bien que... Ah oui, mais la journée n'est pas terminée. Elle va se terminer. Prestige ne cesse de monter. Boum boum boum. On arrive au nouveau plat. 50 clients rares, c'est pas tout de suite. Je sais que tu t'es fait gifler. Oh. Atteindre 117 clients. On est à 109 sur 117. Gagner 2 500 $ en un jour. Rome ne s'est pas fait en un jour. Écoutez, je crois qu'il me reste pas grande solution à part diminuer les prix. Ou investir dans la maisonnette. Genre. Attention, on rigole plus. Hein. On m'installerait bien un royal fessier ici. J'ai parlé de Royal Fessier, il y en a qui se sont dit il se passe des trucs. Pour le même prix en plus. Hein. Bon, on est hors de prix, mais. Voilà, 121 clients, je sais pas comment je les encaisse, mais. Let's go les gars. Hein. J'ai une place d'événement qui s'est libérée, pas du tout. Vous bossez déjà? Non, vous êtes disponible. Pour l'autre événement, excusez-moi, hein, mais moi je vais péter cet événement là. Hein. Moi je vais renvoyer du chevalier. Hein. Je vais me remettre un événement qui régale en pognon. Hein. C'est tout, hein, je veux même pas en entendre parler quoi. Les 2500 goldas, ok, ça part, hein, c'est en train de monter tranquillement. On s'est remis à servir de tout. Non, que des soupes débiles. Emmène-nous à tout servir, rien du tout. C'est que pour les jours de fête. Hein. Allez, hein. Faut envoyer. Hein. Il y
Y'a des gamelles qui attendent là, y'a pas assez de serveuses ou quoi? Attendez, vu ce que me coûte la vie, vous allez pas me dire qu'il n'y a pas assez de serveuses? Vous voulez me rendre fou là? Oh, ils veulent me rendre fou. Je deviens fou. Des places. Pour des royales fessiers. Et il manque toujours une statue. Ah oui, la statue. La statue. Il manque toujours une statue. C'est terrible. Il faudrait peut-être que je m'arrête. Ça y est, on a débloqué le client Goldé, j'ai envie de dire. Augmente les prix. Ah, diminue les prix. Les clients sont barrés d'un coup. On est passé de 150 clients à 16 clients. Divisé par 10. C'est parce que j'ai appuyé. Attends, j'ai appuyé sans faire exprès. Attends. Mets le jeu en pause. Voilà. Sans faire exprès, j'avais quoi? J'avais appuyé deux fois. Ah non. Ah non, vraiment. Ah, par contre, si je diminue tout en bas, on repasse à 300 clients. C'est hors de question. Je peux pas tanker ça. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Deux étoiles, ouais, bah c'est toujours pas 3, par contre. Les étoiles n'étant pas égales à 3, avec beaucoup de problèmes. Hein? Faut vous envoyer au petit pois, là. Ah, tous les aventuriers sont partis. Ah, ça y est. Bam, ok. Une moyenne de... Ouais, on verra, hein. Récupérer des noix, c'était bien. J'ai envie de vous envoyer au petit pois, mais j'ai pas les moyens. C'est à 5000 en plus. J'aimerais bien vous poser votre petite statue du plus bel effet, bien sûr. Et c'est quand le événement? C'est demain, c'est l'événement du rare. Ok. On les régale. Il faudrait que je vous renvoie au petit pois. Il faudrait que je les renvoie au petit pois. Le problème, c'est que la vie coûte un peu cher et j'ai peur que cette boîte. Voilà. La boîte descend un peu dangereusement. En 276, elle a remonté. Hein. Vous envoyez au petit pois, ça me coûte combien? 188? Je discute pas, j'envoie toute l'armée. Barrez-vous. Cassez-vous de chez moi. On est marre de vous voir. Et ça me coûterait combien la statue 750, c'est bien ça. Ouais. Allez, les commandés, il va nous falloir une bibliothèque pour avoir un coin un petit peu. Distinguer un peu du coin du magicien, vous voyez. Un petit peu avec le petit tapis là qu'on a ici déjà. Là. Un peu rosé pourpre. De léger rouge. Hein. Voilà, le quartier du mage, quoi. J'espère sincèrement que ce jeu est encore en développement d'ailleurs. En vrai, je m'éclate dessus. Mais il me paraît encore buggé avec beaucoup de problématiques. En vitesse rapide, elle fait mal aux yeux. Speedrun! Speedrun! Calmez-vous, madame. Chevalier. Bam! C'est beau. Alors c'est beau, mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire que faut faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi les tapis ne sont pas non plus dans le... Peau de vache. Alors la peau de vache, ça fait vraiment beauf sur 20. Je trouve ça horrible. À quel point c'est beauf. Ça, moi, je vais le garder. Ce sera le tapis des guerriers. Bon, pour l'instant, tout est posé à l'arrache. Mais à un moment donné, on va se la refaire, cette taverne. On va se la refaire et elle sera pas mal. Parce que pareil, pour la faire, faut pas oublier que... on sait pas, on n'a pas tous les outils, on sait pas quelle place prend... prend tout le travail, quoi. Bien joué. Nouvelle recette obtenue. Je suppose que la recette en question... C'est une recette d'événement. C'est le ragoût de poisson. Ok. Et donc il faudra des poissons pour ça. Et je suppose que c'est dans un événement
que je ne peux pas voir. Okay. En recherche, on est où là? On va débloquer le bar supplémentaire. Moi, je me serais bien arrêté là. Je pense que c'est déjà pas mal. Et qu'on peut se retrouver à la limite dans un prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Code Habitude Gaming pour l'épisode de la taverne. Je pense que dans le prochain, on se la refait. Ok, on se dit qu'on se la refait. Les bisous.